Oui, alors, on propose aussi d'enregistrer effectivement cette visioconférence, non pas aux fins de diffusion, mais vraiment pour des fins d'archivage et de compte-rendu. Voilà, pas d'inquiétude, il n'y a rien qui sera diffusé en dehors des partenaires organisateurs, donc CRES et RTES. Juste voilà, rappeler que qu'est-ce que le Club des collectivités, donc c'est une initiative qui maintenant existe dans plein d'autres régions, donc c'est vraiment un espace de partage d'expériences et d'échanges qui est réservé entre les élus, les agents des collectivités dans la région. L'idée, c'est que chaque trimestre, en fait, on vous propose, soit en visioconférence, soit en présentiel, une thématique autour d'un enjeu de l'économie sociale et solidaire. Donc tous les ans, tous les élus, tous les agents locaux des collectivités sont invités à participer. Oui, j'ai oublié de dire, pardon, qu'on est aussi en partenariat avec les e-communautés du CNFPT. Les thématiques qui sont choisies sont proposées en fonction des attentes, hein, de vos attentes, des besoins qui sont exprimés et remontés. On vous propose à chaque fin de séance un petit questionnaire. On fait un retour, voilà, sur ce que vous avez apprécié, moins apprécié, vos propositions pour la prochaine fois. Aujourd'hui, effectivement, c'est un club qui rassemble plus de 120 élus ou agents, donc de différentes collectivités, près de 80 collectivités, tout échelon confondu. On a également dans ce club des dirigeants d'organisations de l'ESS ou des pôles ESS, hein, les portes d'entrée territoriales dans l'ESS, qui participent aussi pour se tenir un peu au courant des échanges, des informations avec les collectivités. C'est également des organisations que nous, on invite avec le RTES à venir témoigner selon les thématiques. Voilà, donc c'est vraiment un espace qui est dédié à échanger entre collectivités. Et oui, pardon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on d'édite aussi à chaque rencontre un annuaire de ceux qui ont participé, donc avec nom, prénom, fonction et adresse email. Et donc on partage à tous les participants, ainsi que des fiches ou les différents supports qui viennent reprendre les éléments essentiels à retenir de la thématique, mais également les quelques témoignages, les bonnes pratiques qu'on a à repérer ensemble. Je vais passer la parole, enfin vous présenter vraiment le programme d'abord, et puis ça c'est la parole à Madame Andriot, qui va effectivement donc ouvrir cette septième rencontre. Ensuite, on aura donc Chloé Séchère, chargée de mission, référente Europe pour RTES, qui nous fera une première entrée en matière concrète, voilà, sur l'Union européenne et les fonds européens. Et l'ESS, pardon. Ensuite, on a la chance d'avoir avec nous Jeanne Grandet, donc responsable des fonds européens à la SCOPMAJ, qui viendra aussi nous présenter un peu plus en détail les programmes opérationnels dans la région. Dans un second temps de cette rencontre, donc, on aura Guillaume Tournaire de Grenoble-Alpes Métropole qui viendra nous apporter un premier témoignage de collectivité. Ensuite, ce sera Monsieur Frédéric Roux pour l'association Coup de Pouce. Et bien sûr, un petit temps d'échange, d'interaction d'une 20-25 minutes à la fin. Voilà, on est là pour une visioconférence assez courte jusqu'à 16h30. Donc, sans transition, je vais passer la parole à Madame Patricia Andriot, vice-présidente du RTES et présidente de la Commission Europe du RTES. Bonjour à tous. Merci de ce partenariat avec le RTES. Bon, donc merci à la CRES Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et à la SCOPMAJ. Merci à tous les participants. Je vais vous dire en quelques mots pourquoi le RTES s'est très tôt inscrit et a considéré que c'était un vrai sujet de s'intéresser aux questions européennes. Alors, juste, je ne me suis pas présentée, donc Patricia Andriot, je suis vice-présidente du RTES parce que je suis moi-même élue locale, mais pas en Auvergne-Rhône-Alpes, en Grand Est, dans une commune de 350 habitants de la Haute-Marne, pas si loin que ça. Voilà, et c'est le PETR du Pays de l'Ancre qui adhère au RTES, et c'est à ce titre que j'en suis vice-présidente. Territoire rural, mais très consommateur de fonds européens également. Pourquoi est-ce que le RTES, quasiment dès sa fondation, a trouvé important de mettre en place une commission Europe et a décidé de mettre l'accent sur les questions européennes à un moment d'ailleurs où c'était sans doute moins évident qu'aujourd'hui. Je vais y revenir, mais aujourd'hui, il y a eu des progrès nets de fait sur ce champ-là. Alors, pour trois raisons, en fait, qu'il est bon de se rappeler, il me semble. Premièrement, assez vite, il a été considéré que pour faire bouger les choses et ancrer l'économie sociale et solidaire et la faire reconnaître comme une vraie économie, c'était important d'avoir dans ligne de mire aussi et de s'intéresser à la question des cadres législatifs européens
les directives européennes, puisque un certain nombre de nos règles économiques, notamment du fait du libre marché entre pays européens, sont régies par des directives et qui sont donc des cadres européens. Notamment, et j'y reviendrai un petit mot, sur le cadre de la concurrence, de ce qui est considéré comme entreprise, voilà, et des législations nationales françaises sont quand même régies par des questions européennes. Donc, on a toujours considéré que c'était important d'avoir voix et de regarder quels étaient les cadres européens et comment on pouvait les faire bouger. L'autre raison aussi du même registre, c'est que c'est important de faire passer le message au niveau européen qu'en France au moins, le niveau des collectivités territoriales, régions, départements, interco, communes, agglo, c'est un niveau d'action fondamental pour l'économie sociale et solidaire qui est une économie de territoire. Or, vu d'Europe, parfois l'Europe a tendance à reconnaître que les États membres, voire les régions, mais pas les niveaux infra. Donc, un des messages que le RTS essaie toujours de faire passer, qui nous semble fondamental pour le développement de l'économie sociale et solidaire, c'est la reconnaissance aussi du rôle qu'ont les collectivités territoriales. Donc, ce cadre législatif, réglementaire et d'approche nous semble vraiment important et ça nous semble important de faire passer des messages au niveau européen sur ces questions-là. Et donc, on a une action de plaidoyer, on essaie d'être dans des groupes de travail, de travailler avec des acteurs européens pour pouvoir expliquer ce qu'est la réalité, les conditions, la réalité du développement des politiques publiques en faveur de l'ESS en France. Et puis, on essaime parce que du coup, il y a d'autres pays qui ont bien repéré qu'il y avait un réseau de collectivités territoriales en France. Il y a peu d'autres pays qui en ont un également. Il y a le Portugal, voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir des échanges. La deuxième raison, c'est que en fait, pour que l'ESS essaime au sein de nos collectivités, la logique de bonne pratique est importante. C'est toujours important d'aller voir ce qu'ont fait les voisins. Mais c'est toujours important aussi la coopération et la coopération décentralisée. L'échange entre pays européens porte souvent quand même, sans le savoir parfois, mais sur des programmes, des actions, que ce soit en matière culturelle, en matière d'échange de services, de mobilité, sur des actions qui concernent, qui sont portées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc fondamentalement, on pense que cette dynamique d'échange entre territoires, elle est très importante et très puissante pour pouvoir mieux développer l'économie sociale et solidaire dans les territoires. À la fois parce qu'il y a des programmes de coopération et ça peut être des bons supports pour développer les choses, et à la fois parce que ça crée un cadre d'échange culturel qui favorise ça, et aussi parce que, en tout cas, moi, je le constate sur le territoire où je suis, quand des fois, on a du mal à faire avancer une idée qui peut être prise pour une idée un peu militante ou folklorique ou je sais pas, quand on fait un voyage d'études ou qu'on arrive à expliquer ou à démontrer que bah, finalement, dans un territoire d'Italie, dans un territoire de Roumanie, que notre territoire coopère avec la Roumanie, où eux, ils l'ont fait depuis longtemps, j'ai des exemples assez précis qui me viennent en tête sur le tourisme, bah, ça booste un peu les élus, parce qu'ils se disent, ah bah alors oui, finalement, c'est peut-être pas juste une marotte. Donc cet enjeu de la coopération entre territoires, qui est assez inscrit dans l'ADN, je trouve, des acteurs de l'ESS et des écosystèmes locaux, c'est la deuxième raison qui a fait que très tôt le RTES s'est intéressé à cette dimension européenne et parce qu'on croit et on est assez militant de cette coopération territoriale sur les sujets, ça nous semble un enjeu politique important. Et la troisième raison, qui peut-être est plus triviale et qui est souvent celle à laquelle on pense en premier et que volontairement je n'ai pas d'abord citée, parce que pour moi l'Europe, ce n'est pas d'abord un tiroir caisse, je le dis souvent, c'est quand même la question des fonds européens. Il faut que les cadres et que les fonds européens, je pense au FEADER, FEDER, FSE notamment, mais aussi à tous les programmes d'intérêt qui peuvent concerner votre région, avec les programmes comme la SUACI, enfin sur les massifs alpins, il faut faire en sorte que ces programmes aient des lignes. Alors, il faut à la fois faire en sorte que ces programmes aient des lignes relatives à l'ESS, et c'est ce dont vous allez parler. Et puis, en tant qu'acteur, il faut le savoir et aller les chercher ensuite et avoir ce réflexe-là. Et on sait que ce n'est pas forcément les plus faciles à capter, donc il faut une culture de voilà. Donc c'est les trois raisons pour lesquelles nous on pense que c'est fondamental de s'inscrire quand on veut être militant de l'ESS dans les collectivités d'une certaine manière ou promouvoir le développement de l'ESS dans les collectivités. Il faut toujours penser au cadre européen. Pour terminer, je pense que il y a ces trois raisons là. Ce qu'on voit aujourd'hui, alors il y a eu des progrès puisque l'Europe vient d'annoncer une feuille de route. Suite à la mise en place d'une task force et d'un plan d'action pour l'économie sociale et solidaire, ça devait être en novembre ou octobre dernier, ou peut-être même en juin dernier, il y a un an. Chloé va redonner les dates exactes, parce que j'ai un trou, mais bon, voilà. Donc, on avance, il y a des marquages politiques, et puis les crises successives, la transition font que
comme en France, il commence à y avoir une certaine acculturation à l'ESS. Mais quand même, il y a deux enjeux qu'on constate très forts et sur lesquels on se bat au niveau du réseau. C'est d'une part, il y a encore un fort besoin d'acculturation à la question européenne, à comment on travaille, même aller chercher des fonds européens. C'est pas des dossiers, c'est pas la même culture, c'est pas la même logique de dossier qu'en France. Vous allez le voir, je pense, tout au long du webinaire. Et donc, il y a un vrai travail à faire auprès de l'ensemble des techniciens dans les collectivités, mais aussi auprès des élus. Et puis aussi valoriser cette action européenne, parce que finalement, quand on inaugure des choses, combien de fois, finalement, c'est assez rare qu'on pense à se rappeler et à dire qu'il y a bien eu des fonds européens. Donc, je trouve qu'il y a un vrai travail pour généraliser cette culture de proximité européenne. Et pas encore une fois, pas qu'une culture, dire pour aller chercher des sous. Mais parce que, regardez, ne pas considérer qu'un problème de mobilité, d'alimentation, de politique de la ville qu'on a n'est que franco-français. Bien souvent, quand on va regarder dans les autres pays européens, on est confronté aux mêmes enjeux et c'est ça qui construit l'Europe aussi. Et puis, le deuxième enjeu, c'est que, et là, on n'y est pas encore, c'est qu'on a un énorme travail pour changer, inverser le paradigme et passer d'un paradigme de la concurrence à un paradigme de la coopération. La logique européenne est quand même plutôt celle de la mise en concurrence, hein, notamment ça se traduit très nettement dans les marchés publics. Or, l'enjeu, c'est d'expliquer que finalement, et les PTCE dans l'ESS en sont un parfait exemple, mais pas que, en tant qu'acteur de l'ESS, entre collectivités, on sait bien qu'on avance finalement beaucoup plus vite quand on coopère. Et à un moment où, en tant que collectivité ou pouvoir public, sur plein de sujets, on ne sait pas très bien comment faire, hein, quand on voit l'accélération des crises sur des questions comme le digital, la transition énergétique, la gestion de l'eau, enfin bref, les exemples ne me montrent pas, on sait bien qu'on ne sait pas comment faire, et il n'y a pas de réponse, mais il y a une conviction, c'est qu'on fera mieux de toute façon à plusieurs et en coopérant en tant qu'acteurs plutôt qu'en mettant les acteurs en concurrence. Alors, c'est une idée qui commence à diffuser un petit peu, que ce n'est pas par la mise en concurrence qu'on est le plus efficace, mais on sait bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour que ça pénètre les institutions, et c'est à ça que le RTS travaille. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour introduire le webinaire et les questions et les débats que vous allez avoir, mais pourquoi pour nous, cette dimension est vraiment fondamentale au niveau du RTS. Merci à tous de votre écoute. Merci beaucoup. Pardon, Chloé, effectivement, je te laisse enchaîner sur la suite. Merci beaucoup, Patricia. Et donc, je vais prendre la suite, effectivement. Alors, Chloé Séché, je suis chargée de mission au RTS, notamment sur les questions Europe et internationales, et donc en suivi de la commission Europe du RTS que préside Patricia. Je vais commencer par vous rappeler, vous donner une image rapide, hein, pas complète, mais de ce que représente l'économie sociale et solidaire en Europe. Donc, vous avez là les grands chiffres clés cumulés de ce que représente l'ESS en Europe. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que derrière ces chiffres clés, en fait, il y a une grande disparité entre les différents États membres, d'une part, ne serait-ce qu'en termes de terminologie. Enfin, je pense que c'est intéressant d'avoir en tête que la terminologie économie sociale et solidaire est finalement très française et que, voilà, selon les États membres, on peut parler davantage d'entreprises sociales, de tiers secteurs, c'est assez variable, et qu'au niveau européen, il y a un consensus pour parler d'économie sociale, social economy. Voilà. Et puis aussi que d'un État membre à l'autre, les réalités sont différentes en termes de poids que peut peser cette économie dans l'économie nationale, mais également en termes de cadre réglementaire, législatif. Finalement, il n'y a qu'une dizaine d'États membres qui ont une législation dédiée à l'économie sociale et solidaire. Et ça va de pair, mais aussi en termes de structuration de l'écosystème, d'organisation des acteurs. Et c'est vrai que voilà, c'est intéressant de savoir. En France, on a quand même un écosystème particulièrement structuré sur la question de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas vrai de tous les États membres, mais il y a d'autres États membres où c'est également le cas. Voilà. Néanmoins, malgré cette diversité, il y a vraiment eu petit à petit une prise en compte de l'économie sociale et solidaire par les institutions européennes. Et du coup, il y a le schéma de la slide suivante qui montre un peu... Alors,
Je sais que vous ne pouvez pas lire ce qu'il y a indiqué sur cette frise. C'était juste pour vous montrer. Et puis, vraiment, ces éléments sont dans le repère que le RTS a dédié à cette question ESS et Europe, avec quels enjeux et quels leviers d'action pour les collectivités territoriales. Vous avez ici une frise chronologique. C'était juste pour mettre en évidence que finalement, dès la fin des années 80, la Commission européenne a eu une unité dédiée à l'économie solidaire, que après, pendant environ, et puis dès 90, il y a eu la création d'un intergroupe du Parlement européen dédié à l'économie sociale et solidaire. Pendant une dizaine d'années, il y a eu vraiment une prise en compte forte du sujet. Ça a été moins le cas la décennie suivante, et puis le sujet est revenu au devant de la scène, je dirais, avec finalement la crise économique de 2008. Et là, de 2010 à aujourd'hui, on a vraiment plusieurs initiatives de la Commission européenne, du Parlement européen, des États membres qui poussent le sujet de l'économie sociale et solidaire pour qu'il soit de plus en plus pris en compte à l'échelle européenne et par la Commission européenne et par les États membres. Tout ceci permet finalement d'arriver à la... Enfin, voilà, constitue un contexte favorable à l'attribution dans la feuille de route d'un des commissaires européens, en l'occurrence le commissaire Nicolas Schmit, qui est le commissaire à l'emploi et aux droits sociaux, d'une mission relative à l'économie sociale et solidaire, donc par la commissaire Ursula von der Leyen en 2019. Et donc, dans cette feuille de route, il y a la mission de développer un plan d'action dédié à l'économie sociale et solidaire. Ce plan d'action a été adopté en décembre 2021, donc il y a déjà près d'un an, Patricia, et il a été adopté suite à une large consultation. Je pense que c'est important de le noter, ce n'est pas juste des mots, il y a vraiment eu de nombreux ateliers organisés, une consultation, des auditions, une consultation publique avec plus d'une centaine de contributions d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et de collectivités. En l'occurrence, le RTES a fait une contribution, mais aussi des collectivités en direct, qui ont vraiment été pris en compte dans la définition de ce plan d'action. Ce plan d'action, il définit c'est vraiment un plan d'action. Donc, en fait, il pose plus d'une trentaine d'actions que se donne la Commission européenne pour avancer dans la prise en compte et le développement de l'économie sociale et solidaire sur trois axes, en gros. Le développement de cadres stratégiques et juridiques adaptés à l'échelle européenne et aux échelles nationales et locales, régionales et locales. Le développement, la capacité, en fait, financière pour les structures de l'ESS de se développer, et la mise en avant, donc déjà la connaissance, une meilleure connaissance de l'économie sociale et solidaire à l'échelle européenne et une meilleure communication sur les enjeux auxquels l'économie sociale et solidaire permet de répondre. Sur ce plan d'action, il est en ligne, vous pouvez vraiment le consulter aisément. Par exemple, une actualité pour laquelle le RTS va contribuer. En ce moment, il y a un avis, un appel à contribution ouvert par la Commission européenne, justement sur une recommandation du Conseil de l'UE aux États membres pour développer des cadres réglementaires adaptés au développement de l'ESS. Alors, le rôle des collectivités locales dans ce plan d'action européen n'est pas ignoré. Elles sont très clairement évoquées à diverses reprises, notamment donc, sur les trois axes là, que vous voyez, donc, sur les enjeux du développement des territoires fragiles, et notamment les territoires ruraux, sur la prise en main de développement d'accords verts locaux. Donc, c'est vraiment... l'adaptation du Green Deal à l'échelle locale avec un axe ESS. Voilà, les collectivités, notamment les villes, sont invitées à développer des accords verts locaux
avec un axe ESS important. Et puis, la volonté de poursuivre les possibilités de financement et de coopération entre acteurs et collectivités locales, via les fonds, les programmes européens, mais aussi des initiatives dédiées. Comme action, sont également prévues l'organisation de formations, de webinaires de sensibilisation à destination des élus et des agents, et le développement des programmes d'échange tels les régions européennes de l'économie sociale ou les social economy missions. Voilà, pour information. Et peut-être pour terminer un peu sur cette mise en contexte, vous dire que est accessible sur Internet, on a mis le lien sur la slide suivante, le compte-rendu d'une manifestation qui a été organisée à Strasbourg début mai. Une grosse manifestation qui a vraiment été co-organisée par la Commission européenne, le Comité social et économique européen, l'Eurométropole de Strasbourg et dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne sur l'économie sociale, le futur de l'Europe, qui visait vraiment à ce que l'ensemble des acteurs et des institutions s'emparent de ce plan d'action européen et le fassent vivre. Il y a eu plus de 1000 participants, plus d'une centaine d'ateliers organisés. Le RTES, en lien avec le réseau européen des villes et des régions, rêve animait et qu'organisait un parcours et un espace dédié aux collectivités territoriales. Donc voilà, on n'a pas forcément là le temps de développer, mais vous aurez dans le diaporama le lien vers le bilan interactif qui permet quand même d'avoir une bonne idée des enjeux d'actualité, de la nature des échanges et puis et aussi énormément d'initiatives qui ont pu être présentées dans ce cadre. Voilà pour les quelques mots, on va dire, de mise en contexte. C'est rapide, mais vraiment, vous pouvez trouver des éléments ailleurs. C'est important quand même de commencer par là. Maintenant, je voulais, avant de donner la parole à Jacques Grandet de la coopérative MAGE, faire un point sur un point très rapide sur le cadre politique européen et sur son organisation. Donc là, vous avez vraiment les 6 priorités de la Commission européenne pour la période 2019-2024. Donc, un pacte vert pour l'Europe, une Europe adaptée aux enjeux numériques, une économie au service des personnes, une Europe plus forte sur la scène internationale, la question de la promotion du mode de vie européen et un nouvel élan pour la démocratie européenne. Au RTS, on en est convaincus, Patricia le rappelait, mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on voit ces 6 priorités, on voit vraiment que l'économie sociale et solidaire a vraiment des atouts pour répondre. Participer à la réponse des grands enjeux européens, c'est important de les avoir en tête. Je ne vais pas vous décliner là les grandes priorités de la politique de cohésion, je pense que Jade Grandet y reviendra. De toute façon, ça fait largement écho aux priorités de la Commission. Et donc, en fait, c'est ce cadre politique européen. Après, il va venir se décliner finalement dans les programmes et fonds européens structurels et d'investissement. Et avant de rentrer vraiment sur ces fonds structurels, peut-être c'était important de faire un rappel sur le cadre d'intervention européen. Il y a vraiment 2 cadres d'intervention, c'est sur la slide suivante. C'est important d'avoir en tête parce que ils ont vraiment des modes de fonctionnement différents, ils ne répondent pas aux mêmes enjeux. Voilà, donc il y a vraiment les fonds européens structurels et d'investissement qui, eux, ont pour ambition de permettre la mise en place de la politique de cohésion européenne, donc vraiment faire en sorte que les régions à l'échelle européenne soient le plus proche possible en termes sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan démocratique. Et donc, cette gestion des fonds européens structurels et d'investissement est déléguée aux États membres. En France, elle est même en grande partie déléguée aux autorités locales et notamment aux régions. Elle vise le financement, en grande majorité, le financement de projets qui ont une échelle locale. Tandis que les programmes sectoriels, eux, ils visent à mettre en place la politique européenne. Et ils sont directement gérés par la Commission européenne ou des agences exécutives. Et ils visent pour la grande majorité des projets à dimension transnationale. Donc, voilà, c'est juste pour avoir ça en tête, parce que quand on parle des fonds européens, des fonds structurels d'investissement, donc FSE, FEADER, FEDER,
On parle de projets en vue de la politique de cohésion qui plutôt avec une ambition d'échelle locale, tandis que les programmes sectoriels sont plutôt des programmes gérés par la Commission européenne et avec une volonté d'être à une échelle transnationale. Voilà. Je donne tout de suite la parole à Jacques Grandet pour qui va notamment nous faire un focus donc sur les fonds européens structurels d'investissement à l'échelle de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Puis déjà merci, présenté. Oui, et peut-être nous redire ou nous présenter, nous dire qui est Maj exactement. Merci beaucoup et merci de l'introduction sur les fonds FESI parce que ce n'est pas toujours très facile de s'y retrouver. Alors du coup, Maj, moi je fais partie d'une coopérative qui est basée à Clermont-Ferrand et on est spécialisé sur deux actions principales, le développement de projets ESS et aussi l'identification et l'accompagnement à la gestion de fonds européens. Donc on est notamment sur des fonds, les fonds locaux, donc les fonds FESI, les fonds européens structurels d'investissement, du coup, qui sont plutôt les fonds FSE, FEDER et LEADER. Donc la coopérative, elle réunit 5 personnes aux compétences, donc on a essayé de réunir des compétences de gestion de projet, de gestion financière, gestion de fonds européens et également des compétences juridiques parce que l'ESS et la gestion de fonds européens, ça nécessite une pluralité, une transversalité, une transdisciplinarité et du coup, on accompagne au quotidien des structures de l'ESS mais également quelques collectivités à la gestion de fonds européens. Donc, c'est pour cela, je pense, que j'ai été invitée aujourd'hui pour vous présenter en quelques mots la nouvelle programmation européenne au niveau local, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Du coup, parmi ces fonds-là, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a vraiment 3 qui sont pertinents et accessibles pour financer l'économie sociale et solidaire. Donc, le premier, c'est le Fonds social européen, FSE. Le deuxième, le Fonds européen de développement régional, dit FEDER. Et le troisième, donc, c'est le programme LEADER, programme liaison entre action et développement de l'économie rurale, qui, là, va plutôt intervenir dans les zones rurales. Le FEADER et le FEAMPA, du coup, on est plutôt sur les zones maritimes et le FEADER, on est plutôt sur des... Ça va financer en grande majorité la PAC. Donc, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le programme LEADER, le fonds FEDER et le FSE qui va financer à 95% des projets ESS sur ces fonds FESI. Alors tout d'abord, pour commencer par le Fonds social européen, donc sur la nouvelle programmation, il va s'appeler le FSE+. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Du coup, le FSE+, il est géré par 3 ou 4 différentes autorités de gestion. Donc il y a une grande partie qui est gérée par la DREETS, qui elle-même va... déléguer une partie au département et au PLI, mais il y a également une autre partie qui est gérée par la région Aura. Donc le Fonds social européen, c'est vraiment l'objectif de financer l'emploi et la formation. Dans les fonds qui vont pouvoir nous intéresser sur l'ESS, les fonds financés par la région Aura, principales lignes intéressantes, c'est qu'il va y avoir des lignes dédiées à la création d'activités dans l'ESS. Donc, on va pouvoir financer de l'emploi pour des activités innovantes dans les structures de l'ESS. Elle va financer aussi beaucoup la création, par exemple, des soutiens et des incubateurs qui vont permettre la création d'activités dans l'ESS, ou également la formation et l'orientation, où certaines associations vont dédier leurs activités sur ces actions-là. Donc, la DREETS, qui est l'ex-direct, va, elle, financer beaucoup plus l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale, l'égalité femmes-hommes, l'accès à l'éducation et l'aide alimentaire. Donc là, ce qui va être, par rapport à l'ancienne programmation, ce qui peut être intéressant sur cette nouvelle programmation, c'est qu'on va aller, avant, on était vraiment en lien avec l'insertion professionnelle. Maintenant, on va aller un peu plus loin parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des personnes encore plus fragiles qui ne sont pas encore à même de pouvoir... être intégré dans des parcours d'insertion professionnelle. Et du coup, là, on va pouvoir encore plus avoir des projets de l'ESS qui vont pouvoir travailler à la levée, par exemple, de freins périphériques qui peuvent être les freins à la mobilité, les freins à la garde parentale, à soutien à la parentalité,
ou encore passer par des actions de culture, des actions sportives pour permettre justement la resociabilisation et la remobilisation des personnes avant de les intégrer vers l'insertion professionnelle. Les conseils départementaux et les PLI vont, eux, être vraiment sur des actions uniquement emploi et inclusion. Donc là, il y a aussi pas mal d'associations ou des structures de l'ESS qui vont accompagner à l'insertion professionnelle ou par exemple, il y a des nouvelles lignes aussi sur des structures qui vont accompagner des personnes en situation de handicap, par exemple. Et enfin, sur le FSE, le dernier fonds qui est géré au niveau national par l'AVIS, là, ce sont des fonds qui vont favoriser l'innovation sociale et notamment des dispositifs innovants dédiés à l'ESS ou en tout cas aussi des structures qui vont accompagner des structures de l'ESS. Là, la condition sine qua non, c'est d'avoir une coopération entre régions. Mais du coup, ce sont aussi des fonds qui sont accessibles et très intéressants parce qu'il va y avoir des taux d'intervention qui sont très importants. L'actualité sur le FSE+, du coup, au niveau de la région, les fiches sont en train d'être validées. Donc là, ça fait, il y a eu un webinaire en mars qui a été lancé avec beaucoup plus de détails, mais les fiches vraiment d'action qui vont donner tous les détails de chacune des lignes de financement, normalement, devraient sortir courant octobre. Et concernant l'adresse, les plis et les départements, on va aussi avoir des sorties octobre-novembre, qui vont fonctionner par des appels à projets. Et il y aura un webinaire de présentation de ce fonds le mardi 11 octobre de 10h à 12h par l'adresse. Donc ça, c'est une info de dernière minute. Vous pourrez avoir plus d'informations à ce niveau-là. Concernant le FEDER. Merci beaucoup. Donc le fonds FEDER, ils sont gérés intégralement par les régions. Et du coup, ils ont pour un objectif de développer l'attractivité des territoires et de soutenir l'innovation et les activités économiques. La gestion de ce fonds, elle est entièrement sur le conseiller régional Aura, excepté des fonds de coopération entre régions qui peuvent être gérés par d'autres régions comme la région PACA, mais qui sont aussi accessibles pour des structures d'Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Alors, pour la description de la nouvelle programmation, vous avez beaucoup d'informations sur le site de la région. Je vous ai juste mis les priorités principales, donc qui vont être pour la priorité 1, la recherche, l'innovation, le numérique, la compétitivité des PME et la réindustrialisation. Donc, pour l'ESS, sur cette priorité, ce qui peut être intéressant, ça va être des fonds sur, par exemple, des tiers-lieux numériques qui se développent dans beaucoup de territoires et du coup qui sont souvent gérés par des structures de l'ESS et effectivement aussi de la compétitivité des PME où on peut, des coopératives, des SCOP ou des SIC qui ont pu être intégrés dans les bénéficiaires où on peut permettre d'avoir une meilleure performance ou une rénovation et un achat de matériel plus performant, notamment au niveau écologique. La priorité 2 sur la transition énergétique et environnementale, ce qui va nous intéresser, c'est l'économie circulaire. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de fonds dédiés à l'économie circulaire et notamment, par exemple, le développement de matériaux tech, de recyclerie, où il va y avoir des fonds dédiés et qui sont accessibles à la fois à des collectivités et à la fois à des associations. La connectivité numérique, là, on est plus sur l'accessibilité, par exemple, à la fibre, donc l'accessibilité sur le numérique pour tous. La priorité de la santé et du tourisme pour l'ESS, c'est peut-être le tourisme qui peut être intéressant parce qu'il y a eu par rapport à la dernière fois, ils ont ajouté l'inclusion sociale et le tourisme pour tous. Donc là, il peut y avoir aussi des financements d'infrastructures ou d'animation de projets touristiques pour l'accessibilité. La priorité 5, approche territoriale, ce qui est vraiment très intéressant. Alors là, elle va être beaucoup plus pour des collectivités, mais il va y avoir le financement d'infrastructures qui va permettre de financer le commerce de proximité, les espaces de tiers-lieux, l'économie circulaire, qui pourrait permettre de financer par ricochet l'économie sociale et solidaire. La mobilité urbaine, alors là, on va être beaucoup plus sur une mobilité multimodale et durable. Et enfin, la priorité 10, qui est la transition juste. Alors là, ce sont des fonds qui sont accessibles uniquement pour le département du Rhône et de l'Isère. Ce sont des fonds qui sont dédiés pour des
territoires où la transition écologique va être encore plus difficile. Et du coup, ce sont plutôt des fonds dédiés à l'investissement pour de la production, des process de production qui soient plus vertueux au niveau de l'environnement. Et les fonds Interreg, là, ce sont des fonds qui vont être en coopération avec plusieurs régions, donc que ce soit au niveau de la France, donc on peut avoir le Massif central, Ronson, le Massif alpin ou la Loire, mais il peut y avoir aussi d'autres fonds qui vont être en lien avec en coopération européenne, donc pour les pays transfrontaliers, par exemple Alcotra avec l'Italie ou le programme France-Suisse. Donc là, on va être beaucoup sur de l'attractivité, parfois de la préservation de zones de zones environnementales. Mais pareil, la condition sine qua non est une coopération entre plusieurs régions. L'actualité sur les fonds FEDER, c'est la sortie des lignes qui va être, pareil, au courant octobre, normalement, on va avoir une validation de toutes les conditions d'accès. Donc là, on commence à avoir des informations au compte-gouttes sur chacune des priorités, mais normalement, la validation va arriver courant octobre, donc ce qui va permettre de vraiment pouvoir avoir tous les détails concernant, par exemple, les taux d'intervention, les bénéficiaires, pour savoir vraiment qui va pouvoir émerger sur ces lignes-là. Et enfin, les troisièmes fonds, sont les fonds leaders, donc qui sont gérés par les groupes d'action locale, qui est la porte d'entrée là vers le financement pour des projets liés à l'ESS et au développement territorial, mais plutôt en zone rurale. Donc là, on est en fin de programmation, de la dernière programmation. Il peut y avoir encore quelques reliquats de financement. Donc là, il faudrait contacter les GAL de vos territoires pour savoir si vous pouvez encore pouvoir émerger sur des fonds. Mais par contre, ils sont en train de préparer la nouvelle programmation qui devrait être accessible, en tout cas, ou validée mi-2023. Et du coup, sur les fonds leaders, on a souvent des thématiques qui sont récurrentes, qui sont la culture, la numérique, la jeunesse, les commerces de proximité, l'attractivité du territoire, la transition énergétique qui est très importante aussi, et la valorisation des ressources locales. On est souvent sur des thématiques communes. Et sur ma dernière slide, si c'est possible, pour le fonds leader, là, je vous ai mis ce qu'on a pour l'instant aujourd'hui, ce sont les thématiques qui sont communes sur tous les leaders, parce que du coup, on va avoir une fusion entre... Aujourd'hui, il y a 36 leaders, 36 GAL, pardon, et il va y en avoir 12 pour la prochaine programmation. Et du coup, les thématiques qui sont communes à toutes les futures lignes de financement, ce sont celles-ci. Donc, qui ressemble un petit peu aux précédentes, mais on est encore une fois beaucoup plus sur une transition énergétique écologique qui va être aussi très importante. Et je terminerai juste sur une dernière slide pour la présentation de ces fonds. Comment on peut soutenir l'ESS par les fonds européens? Nous, on voit deux moyens d'action pour les collectivités. C'est soit déposer des demandes de subvention vous-même, parce qu'il y a des lignes qui vont être accessibles uniquement aux collectivités, ou alors qui vont avoir un taux d'intervention beaucoup plus intéressant et qui vont permettre de, par exemple, rénover des infrastructures pour ensuite en confier la gestion et l'exploitation à des structures de l'ESS, ou bien alors de déposer un dossier pour pouvoir faire intégrer aussi sous forme de prestation des acteurs de l'ESS. Par contre, effectivement, comme cela a été souligné en introduction, on est encore une fois dans des mises en concurrence. Donc nous, ce qu'on peut conseiller, c'est pourquoi pas recourir à des marchés publics réservés aux entreprises de l'ESS, parce qu'au moins, vous aurez que des entreprises de l'ESS qui répondront à vos marchés. Et la deuxième solution pour les collectivités, c'est aussi de pouvoir cofinancer les projets, donc de pouvoir apporter une subvention qui va permettre de pouvoir aux structures de l'ESS de faire appel à ces fonds européens, donc qui vont donner... Ces subventions vont donner une légitimité au projet et aussi vont permettre de pouvoir faire face aux besoins de trésorerie parce que les fonds européens payent bien après la réalisation du projet. Ou alors de valoriser la mise à disposition, que ce soit la mise à disposition de locaux ou d'agents qui vont pouvoir être valorisables. On a réussi à monter des projets qui ont permis, grâce à une mise à disposition de local, on a pu appeler des fonds européens. Malheureusement, pour la prochaine programmation, ça peut s'avérer un petit peu plus compliqué parce qu'ils vont avoir des simplifications de gestion et des taux forfaitaires qui vont peut-être rendre plus difficile cette valorisation de mise à disposition. Mais par contre, sur la subvention, c'est vrai que
parfois un petit montant de subvention va permettre d'appeler des fonds européens. Et par exemple, dans les fonds leaders, ces subventions-là sont obligatoires. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots sur ces fonds-là. Et je repasse la parole à Chloé pour qui va présenter les programmes sectoriels. Merci Jade. Juste pour compléter ce panorama, donc, Jade vous a présenté effectivement plutôt un focus sur les fonds européens structurels et d'investissement. Et juste pour compléter sur les programmes sectoriels, voilà, vous donner un peu un regard sur les principaux programmes sectoriels et leur budget en milliards d'euros à l'échelle européenne. Donc très rapidement, en tout cas, au cas où vous ne les connaîtriez pas, Horizon Europe, on est vraiment sur un programme sectoriel en lien avec la recherche, mais qui en tant que tel porte des priorités sur la recherche qui font largement écho aux priorités évoquées de la Commission européenne. Erasmus+, on est sur plutôt des échanges d'apprentissage tout au long de la vie. Alors, une grande partie de ces échanges concerne le milieu enseignant, mais pas seulement, j'y reviendrai juste après. Europe numérique, c'est assez transparent. Et LIFE, on est sur un programme sur les enjeux environnementaux. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que sur les autres programmes, c'est assez limpide. Le sujet, j'attire aussi votre attention sur le FEDER, en plus des programmes Interreg, qui sont des programmes transfrontaliers dont Jade parlait tout à l'heure. Il y a aussi des programmes transrégionaux, donc là vraiment qui rassemblent différents collectivités de différents pays, qui sont les programmes URBACT et qui sont vraiment aussi des programmes relativement peut-être plus faciles, plus accessibles que d'autres, en tout cas que la candidature à un programme Horizon qui quand même demande une certaine rigueur sur le contenu et sur le cadre administratif. Vous dire aussi que sur les programmes Erasmus+, on a quand même plusieurs retours d'expérience au niveau du RTES, de collectivités qui ont pu monter des programmes d'échange entre collectivités et écosystèmes de l'ESS sur l'université de sujets comme les communs, la question de la co-construction des politiques publiques, de la participation citoyenne, la question aussi dernièrement des nouveaux métiers dans l'ESS liés à l'environnement. Enfin voilà, ça vous donne une idée de ces différents programmes sectoriels. Peut-être qu'avant de passer à la slide suivante, on peut peut-être répondre aux questions. Non, je termine et puis on fait un temps de questions globales. Pardon. Sur la slide suivante, c'était vous proposer quelques conseils vraiment qui sont issus des retours, des partages d'expérience des collectivités territoriales adhérentes au RTES. Je pense qu'on aura l'occasion aussi d'y revenir à travers les témoignages qu'on aura juste après. Mais voilà, et puis Patricia Andrieux en a aussi quand même parlé hein, dans son introduction, mais peut-être les conseils qu'on peut donner. Déjà, renforcer la culture européenne des élus et des acteurs, tout simplement en s'inscrivant vraiment, en inscrivant la collectivité territoriale dans des échanges, dans des coopérations. Favoriser l'interconnaissance et la transversalité entre les services de l'économie sociale et solidaire et les services en charge de la dimension européenne ou de la coopération. Voilà, ça peut se traduire de façon informelle hein, par des temps de rencontres et d'échanges. Ça peut aussi se formaliser par des référents. C'est vrai que ça concerne déjà des collectivités d'une certaine taille hein, qui ont un service dédié. C'est souvent une personne, mais en tout cas, voilà, qui est vraiment ces ponts-là qui soient faits. Donc, référent Europe International au sein du service ESS ou référent ESS au sein des services européens. Communiquer sur l'opportunité de mobiliser des fonds et programmes européens. Donc, voilà, c'est aussi ce que disait Patricia Andrieux, c'est de mettre en évidence, de valoriser aussi les structures de l'ESS qui ont mobilisé des fonds européens, qui prennent part à des programmes d'échange européens. Accompagner les structures de l'ESS à la mobilisation des fonds et programmes européens. Donc là aussi, ça dépend du niveau de collectivité. Ça peut être avec un service dédié, notamment à l'échelle des régions, mais ça peut aussi se faire par le soutien aux structures de l'ESS qui font cet accompagnement d'autres structures.
faciliter l'accès des acteurs de l'ESS au financement européen. Alors là, cet axe-là concerne essentiellement les collectivités autorités de gestion. Mais voilà, on a aussi l'occasion de faire des temps d'échange entre régions notamment, qui sont autorités de gestion de plusieurs fonds structurels européens, avec la possibilité soit de mettre en place des dispositifs dédiés, on pense aux dispositifs micro-projets, ou en tout cas d'avoir une attention à l'accessibilité des structures de l'ESS à ces fonds européens, c'est-à-dire le développement d'accomptes, enfin voilà, aussi penser à l'accessibilité pour des plus petites structures. Faciliter l'inscription des acteurs de l'ESS dans les programmes européens, donc là c'est quand la collectivité prend part à un programme, faciliter l'inscription des acteurs de l'ESS dans tout type de coopération, hein, y compris dans les jumelages. C'est aussi en associant les structures de l'ESS dans des temps de coopération entre collectivités que petit à petit peuvent se structurer des logiques de coopération au niveau de l'économie sociale et solidaire, et donc enfin inscrire l'ESS comme axe structurant des coopérations européennes. Bon, là, c'est vraiment se dire, ou d'un jumelage, encore une fois, que l'ESS et son développement est en tant que tel un des objectifs de la coopération entre deux collectivités. Et puis, quelques conseils méthodologiques qui ressortent aussi de nos travaux. Je crois que je préfère ne pas trop les développer pour l'instant. Je pense qu'on va avoir des témoignages tout à l'heure qui vont peut-être les illustrer, quitte à ce qu'on y revienne. Mais très rapidement, faire un pas de côté, l'idée, c'est de se dire que plutôt que d'avoir un projet déjà bien ficelé et d'essayer de le faire rentrer dans une case, peut-être inverser un peu la façon de voir les choses, se poser la question de quelles sont les finalités que la collectivité ou que la structure de l'ESS poursuivent, les grandes finalités, et de voir en quoi elles font écho avec les enjeux européens. Identifier ses besoins, ses atouts et contraintes. Bon, je crois que tout est dans le conseil. Oser le contact direct, ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, que ce soit les fonctionnaires de la Commission européenne, que ce soit les points de contact dans des agences qui ont en charge les programmes européens. Ce sont des personnes accessibles qui souvent parlent français et vraiment, il ne faut pas hésiter à prendre contact directement avec elles. Elles peuvent aussi être de très bons conseils. Et les formes et le fond, je pense que Guillaume Tourner qui en a ça reviendra tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir aussi, mais c'est à la fois ne jamais perdre de vue l'objectif de l'appel à projet du programme sur lequel vous vous positionnez, et en même temps, les formes ont malheureusement leur importance. Il y a aussi beaucoup de dossiers qui sont rejetés parce qu'ils ne répondent pas tout à fait au cadre administratif qui était posé. Mais j'en dis pas plus, je pense que les témoignages illustreront aussi peut-être, ou au contraire, diront que ces conseils ne sont pas tout à fait adaptés. Merci beaucoup Chloé et Jeanne pour ce cadrage conséquent mais important pour rentrer dans le sujet. Avant peut-être de donner la parole à Grenoble à la Métropole, peut-être on va prendre 2 minutes pour répondre à 2-3 questions. François Chamossé de Saint-Étienne Métropole, est-ce que vous voulez peut-être reprendre votre question ? Par rapport à une articulation entre les fonds et le... Alors, j'imagine que c'est la SRDE2I. Où est-ce qu'il est ? Voilà, allez-y. Oui, je me demandais s'il y avait besoin que le projet en question soit intégré au SRDE2I, justement, pour pouvoir bénéficier d'un financement européen. Je réponds. Du coup, je peux comprendre, en fait, et je pense que la question suivante sera un petit peu la même, c'est qu'en fait, il y a une indépendance de ces fonds européens, même si c'est géré par la région, le département. Effectivement, il y a un lien avec les compétences, les lignes de financement ont quand même un lien à chaque fois avec les compétences des régions et des collectivités, mais en même temps, il y a une indépendance à chaque fois. Donc, vous n'avez pas forcément... vous n'êtes pas obligé d'être financé par la région sur d'autres lignes de financement en propre qui correspondent à leur programme pour bénéficier d'un fonds européen.
mais vous pouvez aussi être financé par la région qui pourrait être en cofinancement du fonds européen. Donc, en tout cas, à chaque fois, et pour les services, ce sera toujours des services qui sont indépendants. Donc, c'est des services FEDER ou fonds FSE à chaque fois. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'être financé par le département ou par la région pour pouvoir obtenir ces fonds européens. Donc, pas forcément s'inscrire dans leur programme et leur politique. Mais je comprends que ça puisse porter à confusion. Merci François Chamossé, j'espère qu'on a répondu à votre question. Il y a une autre question de Lionel Pelu. Tu avais deux questions, est-ce que tu vas les reprendre sur des contacts peut-être de services à la région? Oui, bonjour à tous. J'avais quatre questions. Alors, vous verrez celle à laquelle vous souhaitez répondre. La première, c'était par rapport notamment au FSE. Vous évoquez la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les questions de formation et d'orientation comme contact. Est-ce qu'on s'adresse par exemple à la direction de la formation et orientation ou plutôt direction des services européens ou une équivalence? Est-ce que je dis toutes les questions et puis peut-être c'est peut-être plus simple? Comme vous préférez. Je dis vite fait les quatre questions. Alors ça, c'était ma première question. Peut-être pour les autres, la même question par rapport aux services du département, des départements de chaque des territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La deuxième question qui n'a rien à voir, c'était le pourcentage d'intervention par rapport au FSE ou au FEDER. La troisième question est sur le calendrier de dépôt. Parce que j'ai cru comprendre qu'en gros, c'était déjà trop tard. Enfin, en gros, qu'il y ait fiches pré-projet, fallait les déposer avant telle date, c'est-à-dire la semaine dernière, ou il y a deux semaines, et puis prochainement le dépôt final d'un dossier. Et puis la dernière question, par rapport au leader, il me semble que pour ma part, je ne me sens pas concerné, mais j'ai un doute, il n'y a pas une taille de territoire en population maximale pour pouvoir déposer un dossier de ce type-là. Il me semble que ça ne concerne pas tous les territoires, en fait, ruraux, je veux dire. Et il me semble qu'il y a une taille de territoire maximale. Voilà. Alors, par rapport à la première question sur pour avoir des informations sur le FSE, il faudra contacter directement le service FSE. Donc, il y a des lignes orientation-formation, mais qui sont indépendants, encore une fois, ça ne concerne pas les services orientation-formation de la région. Donc là, vous avez le contact qui est souvent le même, ce sera Madame Galliano-Rivoire qui sera le premier contact. Du coup, elle est à Clermont-Ferrand, mais elle gère aussi Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera vraiment le service FSE qui gère les trois lignes FSE de la région. Du coup, la même chose pour le département, ce seront à chaque fois les services FSE, qui seront indépendants du service, des services d'insertion, par exemple. Donc, c'est vraiment à chaque fois trouver le... Donc là, pour l'instant, pour des territoires qui ont déjà été sélectionnés, vous avez, ce sont les mêmes que la dernière programmation. Sinon, vous pouvez avoir les contacts sur chaque site de chaque département. Concernant les pourcentages d'intervention, effectivement, c'est une très bonne question. FSE FEDER, du coup, pour l'instant, ils ont bloqué trois taux d'intervention. Donc, c'est en fonction de la zone géographique. Donc, ce serait un pourcentage à 60% en Auvergne, 40% Rhône-Alpes et 43% si l'action se fait sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, ce sont pour l'instant, en tout cas pour la région, ce sont des taux qui sont fixes. Pour la DRETS, on n'est pas encore tout à fait sûr. Normalement, ce sont des fonds qui sont en moyenne. Donc parfois, il peut y avoir peut-être des marges de négociation, des marges de on peut avoir plus ou moins de financement, mais normalement, il resterait sur ces fonds-là, sur ces taux d'intervention. Concernant le calendrier de dépôt, alors non, ce n'est pas trop tard pour déposer des fonds. En fait, même si vous avez des projets qui commencent maintenant, vous pouvez avoir des financements européens. En fait, le fait que ces fonds ne soient pas validés, ben, ce n'est pas de la faute des structures. Donc, du coup, on peut avoir une rétroactivité des dépenses. Par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est une lettre d'intention à la région ou alors un pré-projet, c'est-à-dire que vous signifiez à la région que vous avez un projet et que vous devez faire une description du projet
avant la première signature d'un acte d'engagement ou la réalisation du projet. Donc, même si après, vous aurez d'autres phases, des phases d'instruction, de conventionnement qui reviennent 6 mois après, ça, c'est pas grave, il peut y avoir une rétroactivité des dépenses. Par contre, ce que vous étiez en train de dire, c'est que là, on vous a dit que c'était trop tard pour envoyer le pré-projet, c'est ça ? Le pré-projet, oui, ça c'est sûr. Et que la date de dépôt du dossier, alors moi je suis sur un Interreg France-Suisse. D'accord. C'est fin du mois. D'accord. Alors, donc, pas de septembre, hein, d'octobre, même avant la fin du mois. Alors parfois ils vont faire aussi, ça c'est un peu une nouveauté dans les fonds et de la nouvelle programmation, ce sont aussi des appels à projets. Donc avant, on était beaucoup plus sur le long cours. Là, au fil de cours, effectivement, ils sont en train de passer sur des appels à projets. Donc, on n'a pas encore les dates de toutes les lignes, parce que encore une fois, c'est pas sorti, c'est pas encore validé. Mais effectivement, ils sont en train de glisser là-dessus. Pas sur toutes les lignes, mais certaines lignes commencent comme ça. Et du coup, ce qui est effectivement un peu moins agréable pour les projets, parce que du coup, il faudra respecter, comme d'autres subventions, des dates, des deadlines pour déposer les projets. Mais normalement, ces appels à projets devraient être renouvelés chaque année. Et enfin, pour le LEADER, effectivement, tous les territoires ne sont pas couverts sur le LEADER. Là, il faut, parce que c'était des appels à projets, et il fallait qu'il y ait un GAL qui se positionne, donc que ce soit des PNR, que ce soit des collectivités, qui se positionnent pour la gestion de ce fonds LEADER. Et du coup, si vous n'avez pas de fonds de GAL sur votre territoire, effectivement, vous ne pouvez pas obtenir des fonds LEADER. Merci. Je vous en prie. Merci pour cette première série de questions-réponses. Je vous propose donc de passer maintenant à la phase des témoignages, et puis on aura notre temps pour approfondir, notre temps d'échange. Donc, je vais laisser la parole peut-être en premier à Guillaume Tourner, chargé de mission politique européenne à Grenoble-Alpes-Métropole. Il me semble, M. Tourner, que vous aviez peut-être un support à partager. Oui, est-ce que vous m'entendez là, correctement ? Très bien, oui. Oui, très bien. Oui, bon, parfait. Donc, je vais partager mon écran hein, pour faire la présentation. Voilà, vous me dites quand vous l'avez, vous aussi, à l'écran. On l'a. Vous l'avez. D'accord. Donc, moi, je me présente, donc Guillaume Tourner. Je travaille en tant que chef de mission politique européenne à Grenoble-Métropole depuis maintenant un certain nombre d'années. J'ai été sollicité par Chloé pour faire un témoignage, sachant que, on va le voir dans la présentation, on ne peut pas dire que l'ESS soit au cœur des prérogatives européennes et du montage de projets européens. Par contre, il y a différentes manières de l'appréhender. Donc, ce que je vous propose, c'est à la fois d'aborder un peu cette question-là, mais aussi de vous présenter comment je travaille, comment on travaille à Grenoble Métropole dans le cadre de montage projet européen, ce qui peut, de manière assez directe, donner des éléments pour pouvoir justement faire du projet avec des sujets d'ESS pour les collectivités locales et avec des acteurs. Donc, pour commencer, vous dire que pour d'autres raisons, mais en juillet 2021, on a fait un benchmark sur l'engagement européen des métropoles françaises. Donc, c'est à notre initiative, à nous, Grenoble Métropole. On a interrogé une vingtaine de métropoles et plus grandes agglomérations de France. Et je sais que vous, dans le public, vous êtes plus petits pour la plupart que ces grandes métropoles, mais vous pouvez voir dans la slide que même dans les grandes métropoles, il y a un certain nombre d'obstacles qui sont exprimés sur le développement de projets européens. Le premier étant la maîtrise de l'anglais. Ça, on doit avouer que c'est un obstacle qui est réel, et je l'ai mis en rouge parce que c'est le premier et c'est le plus important, en particulier quand on fait des projets européens, quand on sort des fonds structurels hein, du FEDER, du FSE, évidemment, où là, on est plutôt en local ou en régional. Et parmi les autres aspects, j'ai mis en gras aussi le manque de culture européenne. Et je pense que c'est le principal obstacle après la maîtrise de l'anglais. C'est ce manque de culture qui va décliner les autres, qui sont le manque de confiance, la complexité perçue, et puis le fait de dire l'Europe, ce n'est pas pour nous, l'Europe, c'est trop compliqué, l'Europe, on n'arrivera jamais à faire entrer nos projets dedans. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que ce n'est pas vrai, obligatoirement. Et puis, tous ces éléments-là. Dans le même benchmark, on avait posé une question sur les plus-values de l'engagement européen. Donc, on avait fait un petit nuage de mots.
Alors, je ne sais pas s'il est très lisible à votre niveau, mais il y a un mot qui est très lisible, hein, je pense. C'est le mot financement. Voilà, donc on voit bien, ça a été dit dans les présentations d'avant, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi ce qui arrive derrière, c'est-à-dire du développement, de l'ouverture, du rayonnement, de l'échange, ou de l'influence, ou de la visibilité, qui sont aussi des termes qui, même s'ils arrivent après les questions de financement, sont quand même des termes qui sont extrêmement importants pour s'inscrire dans des projets européens. Et là, je me suis rendu compte que je ne vous l'avais pas mis en plein écran, donc je vais le mettre en plein écran pour que ce soit plus visible pour tout le monde. Donc après, on l'a vu, c'est un sujet qui est peu investi, l'ESS, en tout cas de manière directe, hein, pour l'engagement européen des collectivités, même dans les politiques européennes. C'est vu par le prisme, ça a été explicité avant, réglementaire principalement, aussi de milieu de secteur économique, mais il n'y a pas d'entrée directe sur ce thème-là. Donc, on voit que les fonds structurels hors du FSE, on voit très peu l'enjeu de l'ESS qui arrive et que c'est peu visible dans les programmes européens. Je vous ai mis à droite, c'est les thématiques de l'agenda urbain. Et donc, ce n'est pas très lisible, mais on voit apparaître dans ce qui s'appelle le Bratislava Partnership la question de l'économie circulaire, mais aussi des job skills and the local economy. Et c'est un peu là-dedans qu'on le retrouve. On va le retrouver de manière indirecte dans ces enjeux-là. Et puis après, peut-être dans d'autres thématiques, mais principalement, c'est dans ça. Donc, ça existe, mais de manière un peu cachée. Cependant, il y a, je pense, beaucoup d'opportunités à travers de nombreux programmes. Et bien sûr, c'est un sujet qui est à aborder via d'autres thématiques. On l'a déjà dit plusieurs fois, par exemple, l'économie circulaire. Nous, on a monté des candidatures avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans des projets d'innovation sur l'économie circulaire. On n'a pas été retenu, mais on ne désespère pas. Ou autrement, dans des programmes qui ont des prismes plus larges, par exemple les programmes de coopération, les Interreg, les espaces alpins, les Urbact, Interreg Europe, qui ne vont pas obligatoirement sélectionner de manière très restreinte, contrairement à d'autres après la projet des thématiques, mais qui vont donner la liberté de proposition, et dans ce cadre-là, on peut monter des choses. Ce qui fait qu'il faut vraiment se mettre dans un positionnement, soit développer des projets, c'est ce qui a été dit aussi un peu avant, de coopérer, d'apprendre. Et avec ça, ben, on peut travailler, je pense, sur les enjeux d'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire, excusez-moi. Et d'ailleurs, en discutant, en préparant avec Chloé, j'ai reposé la question de savoir si le terme, la traduction du terme économie sociale et solidaire en langage européen, et c'est vrai que c'est surtout le terme social économie qui ressort. Donc, c'est vraiment cette dimension-là qui est vraiment prise en compte. Voilà, mais on peut faire un certain nombre de choses. Alors, je vais prendre un peu de temps quand même pour nous parler de notre expérience à la métropole de Grenoble. D'abord, on est des services séparés entre la métropole et la ville-centre. La métropole intervient sur la politique européenne, sur ses compétences, ses politiques, et c'est vrai que la ville va plus intervenir sur les enjeux de citoyenneté, de jumelage, de culture ou le relais Europe Direct, qui sont peut-être plus visibles à l'extérieur pour des acteurs d'autres territoires et pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en particulier dans les enjeux de citoyenneté et de culture, mais qui sont chez nous plutôt traités au niveau des communes. On a aussi des moyens humains qui sont très relatifs. Alors, ils seront sans doute plus forts que ce que vous avez, vous, mais pour une métropole qui a 150 000 habitants, ce n'est pas autant les moyens les plus élevés. Donc, un agent dédié à l'Europe au sens large, qui aujourd'hui, donc c'est moi-même, dans une équipe qui s'appelle Service Contractualisation, positionné au niveau du DGS. Un recrutement récent d'une agente dédiée à l'initiative 100 000 climatiquement neutres, qui est une initiative de la Commission européenne pour laquelle 9 villes françaises ont été lauréates, dont la ville de Lyon et la métropole de Grenoble-Alpes. Et puis, on a aussi un agent dit international, la direction enseignement supérieur recherche innovation, qui travaille plus avec les pôles de compétitivité et l'innovation. Et puis, depuis les années 2000, nous, on a fait du FEDER avec les différents outils urbains, du FSE avec le PLI, de l'Interreg, principalement autour de Urbact et de Espace Alpin, dans des programmes de coopération entre villes ou coopération transrégionale. Et on a, ces dernières années, fait un peu plus de programmes de recherche et d'innovation. Et là, je corrige, hein, Horizon Europe, ce n'est pas qu'un programme de recherche, c'est aussi un programme d'innovation dans lequel les collectivités locales peuvent trouver leur place, ainsi que des acteurs qui gravitent autour des collectivités locales peuvent trouver leur place, parce qu'en particulier avec la nouvelle mission ville, mais pas que, il y a une vraie volonté de ce programme-là de se mettre en lien avec les besoins des territoires et avec l'action concrète sur les territoires. Donc, il y a vraiment des opportunités qui peuvent se faire dans ce cadre-là.
sachant que c'est vrai, Horizon Europe, c'est quand même un programme qui a des appels à projets très ciblés, avec des questionnements très précis, et donc il faut pouvoir rentrer dans ce questionnement, mais c'est des questionnements qui ne sont pas que du high-tech, qui ne sont pas de la recherche, qui posent aussi des questions d'économie, des questions d'économie circulaire, il y en a de plus en plus, d'économie sociale aussi, puisque les enjeux sociaux sont de plus en plus prégnants dans ces appels à projets. Un exemple d'un projet Horizon 2020 qui est en cours actuellement, c'est le projet Food Trails sur les stratégies territoriales pour les politiques alimentaires. On travaille avec la ville de Milan, avec 8 autres villes européennes, avec l'association des villes européennes Eurocities, mais aussi Slow Food, le Polytechnique de Milan et puis une université hollandaise. Et les projets, c'est vraiment l'idée d'adapter l'agriculture au changement climatique, développer la sensibilisation et la coordination des acteurs, développer le bio et le local dans les cantines. Et à titre d'exemple, pour ceux qui connaissent un peu le territoire grenoblois, le mois de la transition alimentaire, le travail sur les cantines se fait dans le cadre de ce programme-là. Et c'est un programme avec lequel on travaille avec beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs de l'ESS, hein, en particulier tous les acteurs de la filière alimentaire, toutes les initiatives qui se prennent à la fois pour le manger mieux, pour s'occuper des populations plus en difficulté face au coût de l'alimentation, face à la question de santé dans l'alimentation. Et il y a avec nous, qui travaille dans ce projet-là, ou autour de ce projet-là, un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale de l'ESS local. Voilà, donc c'est un programme qui, en plus, alors là, c'est 740 000 euros sur 4 ans, c'est le budget de la métropole. Je dois reconnaître que c'est un budget énorme et très atypique par rapport à ce type de programme. Une métropole comme la nôtre, on est entre 250 et 400 000 euros sur des budgets sur 4 ans dans ce type de projet. Pour continuer, alors plus des aspects méthodologiques, quel est le positionnement de la métropole et d'une métropole ? D'abord, ça a été dit un peu sur le fait de sensibiliser les élus à ces questions-là. Aujourd'hui, on est sur un volontarisme qui est d'abord technique pour s'engager dans des candidatures européennes. Le volontarisme politique n'est pas très présent dans ces dynamiques-là aujourd'hui dans la métropole de Grenoble. De plus, on doit donc travailler avec des services. Il faut générer l'envie de la part de ces services à s'engager à l'échelle européenne. Je pense que c'est comme dans vos collectivités. Ils sont pris par plein de choses du quotidien, par plein de difficultés. Et donc, il faut leur expliquer la plus-value que ça peut leur apporter et puis travailler avec eux sur les conditions d'engagement pour pas que ce soit quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils comprennent autre chose et qu'après, ils regrettent d'être rentrés là-dedans si ça marche. Pour nous, à la métropole de Grenoble, c'est réellement un engagement qui est orienté sur le soutien à la mise en œuvre d'une politique métropolitaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur des sujets qui ne sont pas dans le cadre de notre agenda. Et enfin, on a quand même, pour aussi appuyer quand on rentre dans des projets, une validation qui est niveau DG, donc directeur général des services, avec une dimension politique, comme je vous l'ai déjà dit, assez faible sur ces questions-là. Et pour finir, moi, je travaille d'abord pour la métropole et le syndicat mixte des mobilités, donc le SMAG, mais je peux intervenir en appui technique ou en échange avec d'autres acteurs qui souhaiteraient rentrer dans ce type de dispositif, à commencer par les communes ou par exemple, on a des discussions avec les PNR sur un certain nombre de projets. Ça commence par quoi ? Il faut faire une veille en amont. Cet enjeu, il est de la faire le plus en amont possible, donc de connaître les programmes et de connaître les contenus. Il y a un travail d'analyse et de présélection des appels à projets d'intérêt pour la métropole. Alors, dans Horizon Europe, on a un programme pluriannuel qui va sortir pour 2023-2024. Nous, on fait un travail très simple, par mots-clés. Sur les titres dans un premier temps. Il y a aussi des programmes comme LIFE, comme les programmes de coopération territoriale, qui eux, on les appelle à projets qui reviennent de manière annuelle. Il faut connaître il faut regarder une fois pour toutes les grandes trames du programme, voir si les sujets sur lesquels vous travaillez sont intéressants, ils sont intéressés à ces programmes-là. Et après, regarder comment on peut faire les choses. Et puis, il faut échanger avec les services dans le cadre de la collectivité. C'est ce qu'on fait, nous, quand on a repéré des choses, pour valider de la pertinence de principe d'un engagement européen sur un projet européen, pour ne pas les prendre par surprise et pour travailler un peu sur la durée. Et moi, ce que je fais, c'est que tous les deux fois par an, on fait une information à la direction générale sur les AAP potentiels et on leur demande un retour sur la pertinence pour la collectivité pour après, quand on a, et on verra après, connecté avec un consortium, faire un approfondissement technique sur l'opportunité et la faisabilité.
un élément qui est vraiment important, c'est le processus de choix, qui est d'abord centré sur l'intérêt pour l'action publique. Donc, d'abord, il faut se dire qu'à part le FEDER, une AP européenne répondra rarement à un enjeu de programmation pluriannuelle d'investissement ou de fonctionnement pour une collectivité comme la nôtre. On n'est pas là-dessus, on n'est pas sur faire financer ce qu'on va déjà faire, il faudra faire des choses, c'est pour nous amener à avoir des apports concrets qui peuvent aider à l'émergence d'une thématique, à son accélération, à faire de l'expérimentation ou à augmenter notre qualité d'intervention, faire de l'excellence. Et nous, à Grenoble, on fonctionne vraiment cette logique de démonstrateur d'intérêt territorial. Et aujourd'hui, moi, je renvoie tout ce qui est, tous les contacts où quelqu'un va nous solliciter en disant « Ah, ben, j'ai besoin d'un terrain de jeu, ça serait bien chez vous ». Je ne vous conseille pas de répondre oui, sauf si vraiment ce terrain de jeu correspond à votre compétence et à quelque chose que vous voulez faire. Et non plus pas pour la beauté du geste, ce n'est pas parce qu'on estime que c'est sexy d'être dans un partenariat européen qu'il faut y aller, parce qu'après, on va le regretter. Quand il faudra faire les choses. Et donc, nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a souhaité s'engager dans un projet, on écrit cette note d'opportunité de faisabilité où on explicite les apports pour la collectivité et les impacts RH, qui chez nous est un élément, comme tout partout, je pense, très important, sachant que la plupart des programmes auxquels je fais référence ont des cofinancements qui vont de 125% avec les forfaits de frais indirects jusqu'à 80% pour les moins dotés des frais qu'on peut dépenser. Donc, c'est quand même, si on recrute quelqu'un, on va le recruter avec un très fort taux de cofinancement. Il y a un constat qui, je pense, on partagera tous autour de ce webinaire, c'est que nous, la métropole, on n'est pas en capacité ou en volonté de porter des projets. C'est-à-dire que les projets se font en consortium et la grande majorité, il y en a quelques-uns qui ne se font pas en consortium, même ils se font tous plus ou moins en consortium. Il y en a qui vont se faire des consortiums locaux, c'est très rare, mais ça existe. Dans ce cas-là, la métropole a un rôle central. Mais dans la plupart de ces partenariats-là, nous, on n'est pas on est en incapacité d'être chef de file, de porter une candidature et de porter un projet. Donc, on doit compter sur d'autres qui peuvent être des collectivités ailleurs en Europe, qui peuvent être des centres de recherche, qui peuvent être des équipements experts, qui peuvent être des consultants, mais on est obligé de compter sur d'autres. Donc, il y a quelque chose qui est assez compliqué, mais qui est essentiel, c'est que si on rentre pas dans un consortium, il n'y a pas de projet, mais il faut qu'on ait un consortium de qualité qui doit pouvoir défendre ses chances. Parce que si on rentre dans un consortium qui travaille mal dès la candidature, ben, comme c'est très concurrentiel, les appels à projets, on n'arrivera pas à être dedans. Donc, il y a une essai d'anticipation. Il faut traiter en parallèle des contacts pour intégrer des consortiums et en même temps la veille et la validation. Donc, on joue avec les réseaux institutionnels. Pour nous, c'est par exemple Eurocitisme, je vais revenir un peu plus en détail, ou les liens avec des organismes de recherche français ou des contacts qui sont à créer. Et enfin, ensuite, il faut trouver sa place dans le consortium. Il faut, quand on rentre dans le consortium, il faut qu'on y fasse aussi ce qu'on veut y faire dedans, son rôle, la connexion avec les autres partenaires, quel budget on a, pourquoi faire. Donc ça, c'est un travail qui doit se faire aussi dans cette articulation avec le consortium. Souvent, les chefs de file des consortiums, ils sont aussi là pour aider les experts qui montent ces projets-là, pour nous aider à trouver cette place. Et on peut se retrouver aussi dans des consortiums avec d'autres acteurs français plus expérimentés. Et la plupart du temps, ben on se rend service, on s'aide pour essayer de comprendre les choses. Voilà. Donc, on n'est jamais, quand on rentre dans ces logiques-là, on ne se retrouve jamais seul une fois qu'il faut concrétiser. Si on regarde les réseaux et les relais, ben nous, on travaille avec Eurocities, l'association des grandes villes d'Europe. On travaille aussi avec Energy Cities, ICLEI, qui est une association internationale sur le développement durable, ou d'autres. On échange aussi avec des acteurs français qui sont impliqués dans d'autres projets européens. C'est aussi un chemin vertueux, c'est-à-dire que quand on rentre dans des projets européens, eh ben, on connaît des acteurs qui nous connaissent, et après ils viennent nous rechercher. Donc ça permet de rentrer dans ces logiques-là. Je vous donne quelques exemples. Maintenant, moi, j'ai des connexions assez fortes avec des organisations, des fondations, par exemple en Italie, comme la fondation Edward Mac, qui travaille sur la question environnementale. Et ben, quand ils montent, c'est des spécialistes de projets européens, et quand ils montent des projets européens, ben, ils me passent un coup de fil. Donc, ça aide une fois qu'on en a fait, qu'on s'est rencontrés. Et c'est aussi pour ça qu'il faut participer à des rencontres et des conférences. Quand on est plus petit, il faut cibler par rapport à ses centres d'intérêt, il faut aussi cibler par rapport à la proximité. Mais c'est toujours possible, de toute façon, c'est ouvert, ce genre de choses. Et puis, quelquefois, il y en a même qui se passent pas loin de chez nous. Donc, il faut en profiter. Je dis ça parce que, par exemple, on a accueilli, nous, l'an dernier, une rencontre sur l'environnement de l'association Eurocities avec plus de 200 participants de 60 villes.
Et malgré beaucoup d'efforts, on a eu très peu de participants régionaux. Et j'aurais aimé en avoir un peu plus parce que c'était aussi un moyen de leur mettre à disposition notre événement pour qu'ils puissent faire connaissance avec des acteurs, avec des villes et pourquoi pas prendre des contacts qui pourraient être intéressants pour l'avenir. Et enfin, utiliser des dispositifs de partner search dans les cadres d'appel à projet. Il y a toujours dans les cadres d'appel à projet un onglet recherche de partenaires où là on peut exposer. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre, on fait une offre de valeur, une offre de service. On dit, voilà, nous, sur tel appel à projet qui parle de ça, on est intéressé pour participer à un consortium, pour mettre en avant tels éléments, tels sujets. Et donc, on aimerait trouver des partenaires pour le faire. Voilà, avec le préalable qui est savoir ce que l'on veut proposer. Des fois, c'est comme toujours, hein, c'est un peu la poule et l'œuf, mais il faut faire l'effort en interne, se dire sur quel sujet, parce qu'on aurait intérêt ou envie d'aller sur une ouverture européenne. En conclusion, les enjeux pour une approche de candidature réussie, anticiper la veille des contacts, faire un approfondissement clair avec les services et formaliser cette offre de valeur. L'écrire, c'est pas 3 pages, hein, c'est 15 lignes, hein, la plupart du temps à écrire en disant, voilà, on aimerait travailler là-dessus. Donc en interne expliciter très précisément les enjeux et avoir une validation formelle, parce que il n'y a rien de pire sur un projet européen que se retrouver à demander 4 fois la validation à y aller. Enfin, trouver un consortium, un véritable travail de SAP, c'est pour moi, pour tout vous dire, c'est le plus difficile et le plus aléatoire de trouver le bon consortium. Ensuite, s'intégrer dans son consortium, donc bien préciser son objectif, son rôle et les limites de ce qu'on veut faire. Dans un consortium de coopération, par exemple sur Espace Alpin, on va vous proposer, parce que vous vous trouvez être le seul partenaire français à prendre en charge, à être Work Package Leader, donc à prendre en charge un Work Package, il faut savoir dire non, il faut savoir dire que vous n'êtes pas capable et que vous voulez vous concentrer sur votre démonstrateur local et sur l'échange et pas sur le faire ça. Voilà, ça fait partie des choses. Le résultat, quand on candidate, on ne peut rien promettre, il y a un caractère concurrentiel qui est fort et l'évaluation, il faut le comprendre. Moi, après plus d'une dizaine d'années, ça reste une boîte noire. Des fois, on reçoit des rapports d'évaluation et on se dit bon, l'évaluateur n'a pas compris ce qu'on voulait lui dire. Ben, c'est comme ça. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Ça veut dire qu'on l'a mal formulé, qu'on n'a pas trouvé les bons mots. Ça veut dire que des fois, quand on fait un projet ambitieux, si on doit le porter, il faut, dans ce cas-là, peut-être se faire aider par un consultant en AMO. Ça peut être utile. Mais néanmoins, il y a une plus-value indirecte, c'est-à-dire que l'acte de candidater, quand on entraîne cette réflexion qui va durer 2-3 mois, on fait une réflexion prospective à 3-5 ans, opérationnelle sur ce qu'on va faire. Et dans nos collectivités, moi, c'est quelque chose que je vois souvent, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va faire sur le budget de l'année, ce qu'on doit faire sur le budget de l'année, on sait à peu près ce qu'on doit faire sur le mandat, et encore, si on prend sur ce mandat-là, 2020-26, on sait ce qui va se réaliser à 2030, du moins, on a un PPI et on sait qu'elle va s'étendre et que peut-être à 10 ans, on a des schémas directeurs, on a des cadres de planification à 2030. Je ne sais pas si on va le faire, mais on sait où on va aller. Et souvent, à 3-5 ans, c'est plus compliqué. Les collègues, ils ne savent pas où ils veulent aller à 3-5 ans, ils ne savent pas concrètement ce qu'ils peuvent faire. Et ce genre de travail, il permet vraiment d'avoir cette réflexion qui est accélérée, qui est pertinente, qui est utile parce qu'elle est opérationnelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire? Et même si ça ne marche pas, ça peut permettre à un cadre de donner une direction à 3-5 ans à l'action et après peut-être aller chercher d'autres moyens pour le faire si on n'a pas pu le faire dans le cadre du projet européen. Voilà, j'arrête le partage et puis je rends la parole. Merci. J'espère pas être trop long. Non, pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur Tournaire. C'était très complet. Est-ce qu'il y a d'éventuelles questions? Sinon, on passe au témoignage 2. Est-ce que quelqu'un veut peut-être réagir ou rebondir? Pas de questions dans le chat. Des remerciements, en tout cas. Alors, dans ce cas... Je vous propose de passer à un deuxième témoignage et puis peut-être ça vous laissera le temps, voilà, de réfléchir peut-être à d'autres questions pour rebondir sur ces expériences. Alors, on va passer à un témoignage cette fois-ci d'une structure de l'économie sociale et solidaire, l'association Coup de pouce à l'emploi. Donc, Monsieur Frédéric Roux,
Bonjour, merci de nous avoir rejoints. À la minute, bonjour. Oui. Je vous laisse le soin peut-être de nous présenter l'association et puis de quelle manière elle a pu interagir dans ses activités, pu se développer grâce à des fonds européens et avec l'appui de la collectivité, la communauté de communes, il me semble, de votre territoire. Entendu. Donc bonjour à tous, toutes et tous, et pardon si je suis parfois peut-être un peu redondant avec ce qui a pu être dit. J'avais malheureusement plein d'autres engagements, donc j'arrive et je repars. Donc je suis directeur de Coup de pouce à l'emploi, c'est une structure d'insertion par l'activité économique, c'est un chantier d'insertion. Donc je rappelle, je ne sais pas si tout le monde sait comment fonctionne l'insertion, je rappelle très rapidement qu'une structure d'insertion par l'activité économique est un chantier d'insertion. C'est une structure qui est donc agréée par l'État, conventionnée avec l'État, pour recruter des personnes en difficulté avec l'emploi, en contrat à durée déterminée d'insertion, et donc pour les remettre sur les rails. Ces structures bénéficient d'aides au poste, basées sur un agrément en équivalent temps plein, et elles font travailler ces personnes sur des supports qui sont censés être relativement simples pour que, quelle que soit son expérience, ses compétences et quels que soient ses projets, on puisse exercer ce travail. Nous sommes dans la Haute-Loire. En Haute-Loire, il y a une vingtaine de chantiers d'insertion qui sont d'assez petite taille. Peut-être dans vos correspondants, vous avez des gros chantiers. Sur la Haute-Loire, on est plutôt petit. Le nôtre représente 11 équivalents temps plein. Donc, en gros, on a le droit d'embaucher jusqu'à 11 salariés à temps plein. Généralement, c'est des contrats de 26-28 heures hebdomadaires, donc temps partiel. Notre structure aujourd'hui a, je dirais, 3 supports d'activité. Un support dans les espaces verts, ou plutôt l'entretien des espaces naturels. Il faut savoir que nos clients, pour la plupart, sont des collectivités territoriales, comme mairie. Donc, nous assurons donc de l'entretien d'espaces naturels, chemins de randonnée, voies vertes, crèches, zones artisanales. C'est environ les 2/3 de notre activité. L'autre tiers, c'est de la prestation de services, avec un petit peu de ménage dans des collectivités et puis une activité aussi de repassage dans nos ateliers. Là, pour le coup, les clients, ce sont des particuliers. Et une troisième activité très chronophage, mais je vois qu'il y a pas mal de gens de collectivités territoriales dans la salle, entre guillemets. Et donc, quelque chose qui nous est beaucoup demandé par les collectivités, nous distribuons des bulletins municipaux ou des bulletins intercommunaux dans les boîtes aux lettres. Apparemment, on travaille mieux que la poste là-dessus, puisqu'on est plus cher et que les collectivités nous courent après pour qu'on puisse le faire. On souhaite développer notre activité. Je tiens à préciser qu'à un moment, dans les aides au poste, enfin dans les différentes aides, on a une aide de notre département. Il y a quelques années, le département a voulu passer par le FSE pour que nos structures soient aidées. Et le MAGE, le sais, je l'ai déjà dit, ça a été assez compliqué pour nos structures, le poids de la gestion du FSE. Là, notre structure a un projet de développement. Nous avons constaté que sur notre territoire, qui représente à peu près, donc c'est l'est du département de la Haute-Loire, c'est à peu près 80 000 habitants, il n'y avait pas de recyclerie. Donc, nous avons monté un projet, et puis c'est dans l'air du temps, nous montons un projet de recyclerie qui est porté par notre association, qui sera une structure d'insertion. Là où il y a une collaboration importante qui se met en œuvre avec la collectivité territoriale, c'est que c'est une question de locaux. Une recyclerie prend énormément d'espace, de stockage, d'atelier, de vente, et nous n'avons pas, toute cette place. Et donc, c'est la collectivité, et nous sommes sur une zone, où il y a une pression foncière assez importante. L'est de la Haute-Loire est très industrialisé, avec principalement de l'industrie plastique et agroalimentaire. Bref, il n'y a pas d'usine disponible. Il y avait un petit bout de terrain non commercialisé sur une zone artisanale.
Et donc, la collectivité, la communauté de communes des Marches du Blé-Roche-Baron, en l'occurrence, va porter le projet, le volet immobilier de notre projet. Il y a là une première intervention possible de l'Europe, alors qui est en cours, hein, qui n'a pas été finalisée encore par la collectivité. Dans son projet, il y a un certain nombre de cofinanceurs. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a un appel à projet sur les recycleries, qui remplace un ancien appel à projet de l'ADEME. Il y a également du France Relance, du plan de relance sur l'investissement. Et avec un peu de retard, la collectivité s'est tournée aussi a fait une demande ou une déclaration d'intérêt pour du FEDER. Nous-mêmes qui allons porter le projet qui allons porter la recyclerie, il y a un certain nombre d'investissements assez importants à mettre en œuvre. Et donc, nous avons déposé un dossier leader. Alors, je ne sais pas, je ne voudrais pas être redondant. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé un peu des leaders. Alors, c'est leader ancienne mouture, puisque le leader nouvelle génération, me semble-t-il, n'est pas encore tout à fait connu. Oui, je ne sais pas, M. Maréchal, Oui, je continue. Allez-y, pardon, c'est qu'il y a un petit problème informatique, mais je vais remettre l'écran, pas de souci. De toute façon, je ne vous avais rien fait faire. Donc, le leader, jusqu'à maintenant, dans notre territoire en tout cas, était porté par le pays, enfin, sur le département, était porté par trois pays. Ça va changer à partir de la nouvelle génération. Il y a une seule organisation qui portera le leader, mais en étant, alors je ne sais plus quels sont les termes exacts, c'est la région qui est tête de file. Là aussi, il y a pu y avoir une belle collaboration entre la collectivité et nous-mêmes sur le leader, puisque le leader, il y a une exigence d'un autre cofinancement public. Et donc, dès lors que la collectivité, la Comcom, qui travaille avec le pays, dès lors que la collectivité propose un dossier leader, elle s'engage à fournir, enfin à verser elle-même une partie de la subvention. Le leader fonctionnait sur l'investissement, pas sur tout l'investissement, quelque chose qui n'est pas très bien pour nous, structure de l'économie sociale et solidaire, en tout cas celles qui sont de forme associative, c'est que le leader en Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai cru comprendre que c'était un peu spécifique, se base sur des montants hors taxes. Les structures comme les nôtres, on ne récupère pas. Donc, et le leader en Auvergne-Rhône-Alpes est plafonné à un montant de 40% de subventionnable au total, c'est-à-dire leader plus le ou les cofinanceurs. En gros, sur le dossier que j'ai déposé auprès de l'UDER, même si je trouvais un autre investisseur public, type FDI, ça baisserait, enfin tout ce qui m'apporte, tout ce qui pourrait apporter, baisserait la subvention leader sur le dossier que j'ai porté. Donc le leader, chez nous, hein, le leader, je crois, c'est 32 ou 34% et la collectivité, 6 ou 8%. Voilà, je ne sais plus exactement. Que dire Quelque chose qui est assez pénible avec l'Europe, désolé. Enfin, avec l'Europe ou avec la façon dont... C'est toujours la même chose. Hein. Il y a l'Europe, mais il y a aussi la façon dont les organismes le gèrent. Il fallait présenter des devis pour tout montant supérieur à 3 000 € hors taxe de devis. Présenter des devis pour pouvoir déposer le dossier. Des devis sur un certain nombre. Alors, il y avait des choses qui étaient exclues, par exemple, les véhicules dans le leader Auvergne-Rhône-Alpes n'étaient pas éligibles. Un certain nombre de choses étaient éligibles. Il fallait présenter deux devis dès lors que c'était supérieur à 3 000 €. Nous, on a donc fait une sélection d'investissements. On a besoin de véhicules, on les a enlevés. Et puis, on a fait ce qu'il fallait pour avoir les deux devis. Et au moment de passer devant le comité de programmation, la région a dit, c'est une association. Donc, vous êtes, a dit au leader, a dit au pays qui gère le dossier. Donc, tout ça aussi se fait un peu par truchement, ce qui n'est pas toujours évident.
a dit c'est une association, dès lors que c'est une association qui bénéficie de subventions, d'une façon assez importante, de subventions de l'État, elle doit s'appliquer dessus le code des marchés publics, enfin les règles liées aux marchés publics. C'est-à-dire que là où on avait un investissement sur des balances, de l'équipement informatique, du mobilier, du matériel de déménagement, la région a commencé à dire, c'est un montant de 70 000 euros hors taxe à peu près, vous êtes au-dessus des 40, ça doit être un marché, vous le saucissonnez, vous ne devriez pas le saucissonner puisque c'est sur une opération. Donc, on a réussi à prouver à la région qu'effectivement, entre... ne pouvait pas avoir demandé des devis globaux sur des carottes et des pommes de terre, quoi. Mais derrière, il a fallu prouver que, et je dis ça aussi pour bien insister auprès de nos interlocuteurs qui voudraient faire des demandes, il a fallu prouver que ces demandes de devis ont été faites de façon transparente et équitable. Enfin, la fameuse règle de la concurrence. Donc, par chance... peut-être par prudence, effectivement, chaque devis que j'avais demandé à des fournisseurs, ça avait été avec un même cahier des charges, avec un même courriel de transmission du devis. Et donc, il m'a fallu, effectivement, pour compléter le dossier, pouvoir présenter sur le dossier des preuves que je n'étais pas allé chercher mes petits copains ou que je n'avais pas demandé des devis en m'appuyant sur des choses différentes auprès de différents fournisseurs. Donc, je veux bien insister auprès de ceux qui connaissent peut-être mal encore l'Europe, mais je pense que notre ami de Mage a insisté là-dessus aussi. Il faut vraiment avoir une forte traçabilité de tout ce qu'on fait et toujours garder à l'esprit que l'Europe, et donc ceux qui travaillent pour l'Europe, ont là comme mantra la libre concurrence et le respect de la libre concurrence. Voilà ce que je peux dire jusque-là. Excusez-moi. En tout cas, la collaboration avec la collectivité, puis c'était quand même l'autre thème de votre... thème adjacent de cette réunion, ça se passe très bien, puisque ce bâtiment, pour revenir sur notre projet de recyclerie, ce bâtiment qui va être construit donc, par la collectivité et qui nous le louera par la suite, ça représente un investissement d'environ 1 600 000 euros hors taxe. Elle touche à peu près, pour l'instant, puisqu'on ne sait pas trop avec l'Europe, elle touche environ 400 000 euros un peu plus 450 000 euros de subventions de différents partenaires publics. Et donc, en gros, le reste à charge pour la collectivité, nous le rembourserons, nous, par des loyers. Objectif, ouverture, début 2024 ou fin 2023, si tout va bien. Nous, quant à nous, alors sur notre projet, ensuite sur le lancement de la recyclerie, nous souhaitons aussi, mais pour l'instant, enfin j'attends d'y voir un peu plus clair, éventuellement mobiliser un FSE plus ou FSE on-off, je ne sais plus exactement le vrai nom, donc qui est un dispositif qui permet de recruter une sorte de chargé de mission ou en CDI avec une prise en charge de son salaire sur une période d'un an. Et avec un forfait, je crois, c'est bien ça? Bon, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Un forfait, c'est bien ça. Voilà. Et je crois que ça, c'est à concurrence d'environ 50 000 euros par an qui peuvent être pris en charge. Mais là aussi, je pense que même si c'est forfaitaire, souvent quand on se dit c'est forfaitaire, on se dit c'est forfaitaire, 15% par-ci, 20% par-là. J'ai cru comprendre que là aussi, il fallait quand même être assez précis quand on va déposer le dossier et ensuite quand on voudra récupérer les sous, sur les heures telles qu'elles ont été consacrées, sur un certain nombre de choses. Donc voilà, mon message en gros, c'est l'Europe, c'est très intéressant, mais il faut tout garder en termes de traces et il faut être très précis, notamment quand il y a des histoires d'heures, de prise en charge de salaire, où il faut vraiment pouvoir indiquer qu'on a fait ça et pas autre chose à tout moment, quoi, en gros. Très bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce retour de terrain, effectivement, qui permet de voir aussi, voilà, côté opérateur, comment ça se passe. Jade, j'imagine que vous confirmez ce retour un peu de terrain que peuvent avoir, voilà, des associations, des structures de l'ESS, sur la complexité administrative d'aller chercher en direct aussi des fonds et sur... Complètement, et c'est un très bon témoignage sur plein de problématiques qui ont pu être rencontrées par beaucoup d'acteurs. Déjà, le fait de découvrir qu'une association peut devenir pouvoir adjudicateur et être soumise comme une collectivité à la commande publique, ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et donc, les collectivités ont un peu moins de soucis parce qu'ils sont assez habitués, à part que ces règles sont aussi valables même en deçà des seuils de moins de 40 000 euros, par exemple, sur des prestations. C'est aussi une mise en concurrence qui est nécessaire. Alors, en fonction des fonds, le leader va peut-être même être encore plus souple que, par exemple, du FSE. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce sont des procédures à mettre en place dès le début. Et effectivement, ce sont pour nous, ça devient facile et pas très complexe parce qu'on est très habitué à savoir quels documents il faut avoir et quelles traces il faut pouvoir pour récupérer pour pouvoir rendre des comptes. Mais effectivement, il ne faut pas sous-estimer ces demandes-là parce qu'après, ça peut remettre en question l'obtention des financements. Là, c'est vraiment les deux choses, le côté éligibilité des dépenses et le non-respect de la commande publique. Là, c'est vraiment la cata pour des bilans. Alors, l'éligibilité des dépenses, enfin, pour le coup, là, l'organisme intermédiaire, enfin, je sais pas, qui était le pays, enfin, je ne sais pas si on le considère comme organisme. Ils sont organismes animateurs. Animateurs. Les gars, ils animent. Oui. Sur le leader, effectivement, les chargés de mission étaient bien informés sur ce qui était éligible, ce qui n'était pas éligible. Donc, en amont, je dirais, avant que ça n'arrive en programmation, c'était réglé. Par contre, c'est vrai que l'histoire de la commande publique, je dirais que les animateurs eux-mêmes ne l'avaient pas vraiment, n'avaient pas vraiment réalisé ou n'en avaient pas parlé. Puis c'est vraiment après qu'il y a eu comité de programmation, qu'il y a eu le retour de la région pour dire non, il faut faire comme ça. Alors, on avait fait comme ça, heureusement. Mais voilà. Et puis, ce matin, j'ai encore reçu un certain nombre de courriers à signer que je dois faire signer à notre président, puis c'est le responsable légal, auquel je ne m'attendais pas, encore un certain nombre de déclarations sur l'honneur qu'il faut faire sur un certain nombre de choses. J'attire aussi l'attention sur le matériel d'occasion, mais vous en avez peut-être parlé, où là aussi, ils n'aiment pas, ou alors il faut pouvoir faire des trucs pareils sur l'honneur, comme quoi ça n'a pas déjà bénéficié d'un financement européen. Voilà, ce qui est parfois un peu... désagréable, c'est qu'on a l'impression de découvrir un peu les choses au fur et à mesure. Alors, peut-être les animateurs aussi n'avaient peut-être pas eu suffisamment de formation sur un certain nombre des aspects. Mais en gros, j'aurais été une entreprise privée qui faisait financer ma mini-pel par le leader, j'étais moins embêté. Alors, je pense que ça rejoint vraiment ce qui a été dit en tout début d'introduction et par Chloé aussi. C'est vraiment que l'ESS, pour l'instant, a été sous-représenté dans ces lignes de fonds européens. Et du coup, une entreprise, effectivement, n'aurait pas été considérée comme pouvoir adjudicateur parce que les règles, c'est qu'il faut soit avoir un élu dans sa gouvernance, soit avoir plus de 50% de subventions publiques. Et du coup, des entreprises ne vont pas être confrontées. Par contre, des associations vont être dans ce cas de figure. Et du coup, peut-être que aussi dans les leaders, ces cas de figure ne s'étaient pas présentés parce qu'en plus, vous étiez au-dessus des seuils. Parce qu'il y a des seuils où juste les demandes de devis, il n'y aurait pas eu de souci, selon les montants. Je pense qu'ils ont été habitués soit par des associations, mais à des très petits montants, soit par des entreprises pour des montants un peu plus supérieurs, ou des collectivités qui vont respecter ces procédures-là parce qu'elles sont déjà soumises à la commande publique. Mais là, en l'occurrence, c'était un seuil global, puisque il y avait comprends. Plusieurs lignes, c'est le seuil global qui a été pris en compte, en quelque parce sorte. Qu'ils l'ont considéré comme un marché et pas de non-allotissement, oui. Je vois tout à fait. Mais du coup, c'est pas étonnant qu'il y ait parfois ce genre de discussion. Et du coup, nous, c'est aussi finalement, parfois, on a un rôle de discussion avec les financeurs pour pouvoir soit faire comprendre le monde de l'ESS, parce que du coup, c'est vrai que ce sont des réalités parfois
totalement différente, et du coup de pouvoir arriver à avoir une marge de négociation, comme vous avez pu le dire, sur bon, ok, là, il n'y a pas eu cette procédure-là, mais ça a été fait en toute transparence, et nous, on nous avait donné ces directives-là, donc du coup, vous avez pu avoir les financements. C'est vrai que ce sont des découvertes et des évolutions au fur et à mesure, mais qui vont dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup de lignes de financement. La dernière programmation, on n'avait pas les SCOP, les SIC, les associations sur beaucoup de lignes, et maintenant, elles commencent à être prises en compte. Donc, je pense que c'est aussi une forme d'adaptation de la part des financeurs. Et de l'autre côté, effectivement, de bien se rendre compte à quoi on s'engage quand on demande des fonds européens. Ce qui n'est absolument pas impossible à faire. Hein. Vraiment, nous, on est confrontés à ça au quotidien. Par contre, il faut bien le prendre en compte avant de déposer un fonds européen. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces retours, Jacques Grandet. Est-ce que, peut-être d'autres... Si vous avez des réactions, des questions, d'autres témoignages, je pense que c'est vraiment aussi l'occasion de vous entendre et voilà, d'échanger entre vous. Oui, une main levée. Ah ben, Monsieur Tourner, allez-y. Non, mais c'est pour répondre à Monsieur Roux un peu, ou compléter ce que dit Monsieur Roux. C'est vrai qu'on s'est habitué en France à ce que certains financeurs n'aient pas trop de contrôle sur ce qu'ils financent dans le passé. L'Europe, elle est souvent là un peu avant les autres pour dire, alors je comprends qu'il y a une complexité quand on est une petite structure, que c'est la première fois qu'on en fait, elle est là aussi pour rappeler quelquefois, et puis les autres, ils prennent souvent le relais de l'Europe, ils font pareil après, hein, la plupart du temps, quand on travaille avec les financeurs nationaux, mais quelquefois, c'est assez compliqué. Ce que je voulais dire, c'est que moi, d'expérience, parce que si ça fait une dizaine d'années que je suis sur la mission Europe, avant, je m'occupais, j'étais à la politique de la ville, et je m'occupais d'un PIC urbain, et puis d'autres choses aussi avant, et je peux vous dire que je connais des petites assos qui géraient mieux les fonds européens que des grosses collectivités. Tout simplement parce qu'elles avaient... N'y voyez pas, M. Roux, quelque chose de vers vous, hein, bien sûr. Hein, je parle de manière très générale. Parce qu'elles avaient une rigueur administrative qu'il n'y avait peut-être pas dans quelques grosses collectivités où personne n'était responsable de rien. Le chef de projet n'était pas responsable de l'administratif. L'administratif, il n'était pas responsable du projet et tout ça. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est, vous avez raison, c'est-à-dire que même un projet FEDER, un financement... Alors après, quand on parle de FEDER, quand on parle de FSE, quand on parle de FEADER, on parle de trois mondes différents. Faut aussi. Et quand on parle de FEDER en Auvergne-Rhône-Alpes, on ne parle pas de la même chose quand on fait une action, programme de massif géré par PACA. C'était leader, hein, c'est un leader français. Oui, je vous dis comme exemple, hein, quand on fait du FEDER en Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas les mêmes contraintes et exigences qu'en PACA, parce que nous, on a des actions programmes de massif et nos collègues de PACA nous demandent beaucoup plus de documents que nos collègues d'Aura. Voilà. Et que c'est vrai que c'est une règle sur une demande de fonds européens, c'est qu'il faut anticiper les dimensions administratives, cette planification des dépenses, de cette justification des dépenses, mais par exemple, moi, sur un projet, les collègues ont dit on veut faire une vidéo. Moi, je leur ai ressorti un vieux devis, une vieille facture d'une vidéo qu'on avait fait il y a 2-3 ans sur autre chose, et ça fait objet. C'est-à-dire que plus que la mise en concurrence, le dogme, c'est la transparence. Donc, quelquefois, nous, sur des dépenses un peu plus faibles, on leur explique, on n'a pas fait de mise en concurrence, mais on a fait une transparence, c'est-à-dire qu'on a explicité le besoin. Voilà. Et moi, c'est quelque chose que je fais toujours, parce que je fais aussi des dépenses sur des projets, quelquefois, de multitudes de dépenses, quand je vais faire financer une conférence par une petite enveloppe européenne ou une visite d'études par un fonds européen, même un fonds national, je demande aux collègues de toujours formaliser les choses. Et je pense que c'est une exigence qui est... Pas obligatoirement, alors c'est sûr que ça prend un peu de temps, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est comme la justification des dépenses sur un projet espace alpin, mais quand on prend le pli de ça, quand on a pris l'habitude, ça sert aussi pour tout le reste. Ça, je le pense vraiment. Après, le point faible, en particulier pour un certain nombre de projets, c'est le paiement sur services faits, surtout pour les petites structures. On est d'accord que ça, c'est une véritable difficulté que nous, la métropole de Grenoble, elle aura pas le même impact que vous dans votre structure d'économie d'ESS, d'insertion, on n'aura pas tout le même impact là-dessus. Ça, c'est pour moi le vrai problème. Ils font référence à des avances, mais d'abord, c'est tellement compliqué de les avoir. Et puis, de toute manière, le temps qu'on soit programmé, le projet il a déjà bien avancé. Donc, on ne peut pas demander l'avance avant d'être programmé. Et donc, ça, c'est pour moi la principale difficulté de ce genre de choses.
Voilà. Après, pour le reste, je pense que c'est surtout une question voilà, d'habitude et que c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré dedans, autant y rentrer une deuxième ou une troisième fois, ça sera plus simple ensuite. Merci. Y a-t-il d'autres réactions, partage d'expérience? N'hésitez pas aussi voilà, à nous partager vos expériences si vous aussi vous avez l'occasion de mobiliser, participer à des consortiums ou mobiliser des fonds de programmes européens, échanger aussi. Je parle beaucoup et j'ai oublié un truc pour la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on parle des taux de cofinancement qui sont des taux moyens, donc on verra dans les faits comment ils vont les appliquer sur les différents programmes là sur 21-27, parce qu'on est tous aujourd'hui dans l'invisibilité sur ce que va faire la région Aura, en particulier sur tous ces programmes hein, de gestion. On attend tous avec impatience de voir arriver ce programme, les programmes opérationnels, ainsi surtout que les DOMO. Voilà, et les règles. Par contre, l'autre aspect, c'est qu'ils réfléchissent aussi à des seuils minimaux de taille de subvention, justement pour éviter que des petites structures se battent pour des petites subventions à gérer tous ces aléas administratifs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va, selon les seuils qu'ils prennent, qui va changer beaucoup de choses sur l'appréhension du FEDER et sur le type de structure qui accède. J'espère que ça n'a pas refroidi tout le monde dans l'idée d'aller chercher des nouveaux fonds européens. Je sais qu'il y a quelques structures de l'ESS qui sont aussi connectées. Hein. N'hésitez pas à réagir ou à faire part aussi de vos expériences, votre expérience sur le non-recours aussi aux fonds européens, parce qu'effectivement, c'est aussi une vraie réalité. Sinon, on peut-être, en attendant, vous présenter juste rapidement les contacts et les ressources qu'on vous a partagées. Vous recevrez de toute façon le diaporama suite à ce webinaire. Donc voilà, pour information, quelques contacts en région ou de points de contact nationaux. Voilà, vous avez les numéros de téléphone pour la direction des fonds européens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le point de contact national qui est basé à l'ANCT du programme URBACT, dont l'appel à projet n'est d'ailleurs pas encore sorti. Je ne sais plus, je vais pas souvent. En tout cas, c'est vraiment d'actualité. C'est en tout cas le moment de contacter Mathieu Cooper, d'aller sur le site URBACT et de voir où en sont la constitution des consortiums. Il y a vraiment des consortiums qui sont en train de se constituer. Le point de contact Erasmus+, le secrétariat permanent de l'ancien Urban Innovative Action, qui est d'ailleurs basé à Lille. Donc là, c'est aussi un point de contact national qui est basé à Lille. Des liens, mais je ne sais pas comment ça va apparaître vers les différents programmes Interreg. Le point de contact Interreg Europe. Alors, Interreg Europe, c'est davantage un programme transnational, un peu du même type d'URBACT, qui a la particularité d'être positionné sur les politiques publiques et l'évolution des politiques publiques, l'innovation dans les politiques publiques. Donc, on est vraiment sur des programmes d'échange entre collectivités notamment, mais en lien avec toujours un écosystème d'acteurs pour faire évoluer les politiques publiques et se doter d'un programme d'action en lien sur les objectifs précis en lien avec d'autres collectivités et le point de contact national du programme LIFE. Et ensuite, en termes de ressources, eh bien, on vous a mis différentes ressources qui peuvent vous être utiles par rapport à cette question. La mobilisation de fonds et programmes européens pour l'économie sociale et solidaire, mais aussi pour l'aspect, on va dire, acculturation aux enjeux européens. Il y a notamment l'Europe des communes, qui est en fait un programme qu'a développé la représentation en France de la Commission européenne, qui est vraiment qui s'adresse aux collectivités locales, agents et élus, et qui organise des dossiers thématiques et des webinaires sur des problématiques spécifiques. La dernière qu'ils ont organisée, c'est vraiment sur les questions de rénovation du bâti,
et pour mettre en évidence comment les collectivités locales peuvent mobiliser différents fonds, programmes européens sur ces sujets. Et puis voilà, vous avez toute la liste là d'autres liens qui existent. Je pense qu'on pourra aussi vous transmettre, bien sûr, les coordonnées et de Jacques Grandet, dommage, et s'ils en sont d'accord, Monsieur Tourner et Monsieur Roux. Mille merci en tout cas à vous, Monsieur Tourner et Monsieur Roux. Voilà, du coup, on arrive un peu à la conclusion de cette visioconférence, ce webinaire sur les fonds européens, les financements européens comme levier de soutien à l'ESS. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer un petit peu en avance, mais en tout cas, je pense que ça a permis de soulever les bonnes questions. Et puis, vous avez entendu qu'effectivement, on est aussi dans une forte actualité, puisqu'on attend aussi un certain nombre d'éléments. Peut-être, Jade, est-ce que vous pouvez rappeler à nouveau la date de l'intervention de la DRETS sur les fonds européens, parce qu'on la renverra par mail. Mais... Le mardi 11 octobre de 10h à midi. C'est la DRETS qui propose un peu une information générale sur les fonds. Sur ces différents appels à projets et ces fonds qui vont sortir. Donc on le remettra dans le support et on vous l'enverra. Et j'ai pu voir que par exemple, il y avait des personnes de territoire zéro chômeur de longue durée. Donc là, ça peut être intéressant pour ces projets-là. C'est là où il va y avoir des informations importantes. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Merci à Chloé, à Jade et à Patricia Andriot pour ce qui est de ce club des collectivités pour l'ESS. On vous donne rendez-vous le jeudi 8 décembre, cette fois-ci pour une rencontre plutôt en présentiel. On va tenter à nouveau. C'est bien pratique de se voir, de la visioconférence. On est content aussi de se retrouver en vrai. Ce sera autour de la thématique de la commande publique responsable comme levier de soutien à l'ESS, mais aussi on verra sans doute aussi comment l'ESS peut être un levier de soutien à la commande publique responsable. Donc, je donne rendez-vous jeudi 8 décembre matin à Lyon et vous recevrez de toute façon l'invitation, le programme un peu plus détaillé prochainement. En attendant, vous allez recevoir donc ce support ainsi que l'annuaire actualisé sans doute des participants au club des collectivités. Et peut-être d'autres éléments, d'autres supports qu'on aura pu aussi glaner pour vous sur les fonds et les financements européens, s'il y en a d'autres qui sortent entre-temps. Merci à toutes et tous de votre écoute et de votre participation. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci à vous. Aux intervenants.